Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que entre la caméra et le micro, je sais pas trop où mettre le micro, quoi. Est-ce que vous m'entendez bien? Je finis mon pitch. On se réveille tranquillement tous ensemble. Attendez. Sinon, je le mets devant. Là. Ah, j'ai pas mal. Hein. Alors non, Juliette, j'aimerais bien que ça soit mon micro, mais non. C'est Arnaud qui me le prête comme il est en vacances. Il me prête son micro. Mais j'ai pas de micro, moi. Merci. Petit café. Bon courage, Calista, pour ton rendez-vous. Alors, j'espère que vous allez bien. Sinon, attendez. Attendez. On va faire un truc. Ouais, non. Non, il va m'emmerder plus qu'autre chose. Non, bah, je vais le laisser là. Ou alors là. Voilà. Là, je pense que ça devrait aller. En plus, je vais être un peu plus par là et tout, donc ça va aller, je pense. La porte est fermée cette fois, ouais. Non, mais en plus, il y a Arthur qui est de l'autre côté, donc. J'ai fermé. Alors, Dauphin4, bonjour. Bon, bonjour à tous. Je sais pas si maintenant je pourrais dire bonjour individuellement, mais bonjour à tout le monde. Petit coucou du travail, je vous regarde en replay. Bon live. Bon courage, Laetitia. DP pour moi aussi ce matin. Toile 30-40, une première. Eh ben, bon DP, Pandora. Boulot, moi aussi, je vais tenter de regarder en même temps. Courage, Héloïse. Je me lève pile à temps pour le live. Oui, moi, ça va bien, Dauphin4, et toi? Je prépare le repas pour ce midi avec le live. Encore et encore, merci, Angélique. Ah, mais de rien, lire. De rien. J'espère, oui, que vous avez bien dormi. Coucou à ceux qui arrivent, coucou. Moi, ça va très, très bien. Ouais, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi, ça va. Non, je pense pas. Je pense pas que le... Je pense pas que le slip bleu va se répéter une deuxième fois. Je me trompe peut-être, mais... Petit coucou en regardant la rediffusion YouTube. Mais d'ailleurs, on fait un coucou à la team YouTube. Coucou la team YouTube. Il faut venir des fois. C'est cool. J'ai commencé hier mes cartes postales action. La catastrophe à poser, mais j'aime ça. Ah ouais? Après, c'est quand tu. Si c'est vraiment tes premiers trucs en DP, le début, tu vas te dire, ah ouais, mais ça a l'air plus facile à voir qu'à faire. Moi, c'est ce que ça m'avait fait. Non, non, Héloïse, on vient juste de lancer. À l'instant, là, il y a 3 minutes. Réellement. T'inquiète pas. Coucou les divines. Moi, réveillée depuis 6h ce matin. Bah, moi, 8h. Arthur est descendu à 8h ce matin. Donc, comme je savais que j'avais live, j'ai pas trop traîné. Je me suis réveillée tranquillement, on a fait un petit câlin dans le lit et tout. Et puis voilà. Bon crochet, Léa. Aujourd'hui, je retourne à l'action acheter l'autre kit. Pas de soucis. J'ai pas vu les nouvelles cartes postales et tout chez Action. Mais ça fait longtemps que je suis pas allée chez Action. Donc, premier live pour moi ce matin. Coucou Maëva. Et bienvenue sur Twitch. Première fois sur l'ordi, c'est plus simple. Et du coup, je m'installe à la fin. Oui, sur l'ordi, c'est plus simple que sur le téléphone. Enfin, le téléphone, c'est simple, mais je veux dire, c'est. Si. Ouais. Moi, je regarde plus sur l'ordi parce que souvent, je fais du DP en même temps. Donc, je me pose sur l'ordi ou alors on met sur la télé. Quand on regarde dans le salon le soir, on met sur la télé. Mais sinon, je regarde très rarement sur le téléphone. Le téléphone, en fait, c'est quand je suis un live que je veux pas du tout louper et que je suis en train de faire la cuisine ou un truc comme ça. Sinon, je suis tout le temps sur. Tout le temps, soit sur le PC, soit sur la télé. Coucou tout le monde. Nuit de crotte colique pour ma fille. Oh, la pauvre Flo. Pour une fois que je peux regarder le live au lieu du replay. Mais écoute, c'est avec plaisir, Jessie. Bienvenue ici. Coucou et biscuites. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. On va se réveiller en douceur ce matin. En faisant du DP, comme c'est les vacances scolaires, je suis pas prise par le temps pile poil pour partir à 11h30. Donc c'est pour ça que dans le comment ça s'appelle? Planning,
Je crois que j'ai marqué jusqu'à midi parce qu'on peut, on peut traîner jusqu'à midi si on veut rallonger un petit peu. Voilà. Bon, par contre, alors attendez, si je dis pas de bêtises, pas cette semaine, mais la semaine d'après, c'est encore les vacances, mais la matinale du jeudi, il faudra vraiment que je parte à 11h30 pile. Je pourrais pas traîner la matinale de jeudi prochain. On pourra traîner un petit peu celle de mardi, mais celle de jeudi, je pourrais pas parce que je me fais un resto avec ma meilleure amie le midi. Pas jeudi là, jeudi de la semaine prochaine. Et du coup, si on veut arriver pas trop tard, elle passe me chercher à 11h45 en fait chez moi. Donc faut vraiment qu'à 11h30, je vous ai dit au revoir. Mais on n'est pas à la semaine prochaine. Oui, mon fils est à la maison. Oui. Si je me permets de faire un live, c'est parce qu'il est avec son papa de l'autre côté. Arnaud étant en vacances, il peut gérer Arthur. Si vraiment j'étais toute seule avec Arthur et qu'Arnaud était sur Paris, j'aurais pas pu faire de matinale pendant les vacances scolaires. Voilà. Coucou à ceux qui arrivent. Cette sortie, ta mamie avait l'air trop contente, c'était chouette. Elle était hyper contente, Héloïse. On a été dans un parc animalier. Alors moi, je suis pas pour les zoos et tout. Mais là, c'est... Alors pour ceux qui connaissent, c'est dans le 21. C'est le parc de l'Auxois. C'est assez connu, hein, ça existe depuis très 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 longtemps. Et c'est vraiment un parc où, principalement, c'est toi qui rentres dans les espaces des animaux. Tout est bien géré, tout est bien en surveillance. Bon, à part les lions. Bon, les lions, voilà, tu rentres pas dedans, mais ils ont... Des hectares et des hectares, et il y a des grosses baies vitrées, enfin, c'est très impressionnant. Et moi, c'est le seul parc animalier dans lequel je vais parce que c'est le seul vraiment où la plupart du temps c'est toi qui rentres dans les espaces des animaux et qu'ils ont je ne sais pas combien d'espace, enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et ma mamie, bah, la seule fois qu'elle a été dans un parc animalier, elle est sa plus jeune fille, qui a maintenant 50 et quelques, qui avait 8 ans. Donc du coup, et c'est la seule fois en fait. Elle avait été aux eaux de Thoiry, mais quand elle était très très jeune. Et elle était aux anges en fait. Elle hallucinait, elle avait jamais vu autant d'animaux. Enfin, et elle adore les oiseaux. Et du coup, il y a une espèce de volière où on rentre à l'intérieur. Et on lui avait acheté un espèce de petit nectar, parce que ça s'achète bien évidemment, ils vont pas te le donner gratos, que tu peux tenir, et du coup les oiseaux viennent sur toi, ils viennent manger en fait, et ils s'agrippent à ta main. Et elle était aux anges, j'ai pris des photos et tout, enfin c'était génial. Par contre, le truc qui nous a tous énervés, mais ça c'est une question d'éducation, c'est qu'il y a des gens qui sont extrêmement mal élevés. C'est-à-dire que c'est marqué partout ne pas nourrir les animaux. En dehors du petit nectar fait pour les oiseaux. Et en fait, Arnaud, au bout de deux, trois fois où on a vu des personnes donner des pop-corns aux loutres, enfin aux animaux qui ne doivent pas manger ce genre de trucs-là, Arnaud l'a dit parce que c'était insupportable, quoi. Les gens jetaient des poignées et tout. Et tu sais que c'est pas bon pour certains animaux. Et du coup, Arnaud, il a fait, vous savez que c'est interdit, gentiment, hein, vous savez que c'est interdit. Ah ben non, c'est pas vu. Alors que t'as les gros panneaux partout. Et à un moment, on était devant un serval, je crois, une espèce de gros chat, un gros, enfin un petit, ouais, un gros gros chat, on va dire, mais le genre de chat que t'as pas trop envie de lui faire des câlins quand même. Et t'avais un père et sa fille qui tapaient, qui tabassaient la baie vitrée, alors que nous, il était juste derrière la baie vitrée, et on est même arrivé tout doucement en chuchotant, alors que clairement, je pense qu'il pouvait pas nous entendre. Et on est resté de loin, on voulait pas lui faire peur, comme il était juste derrière la baie vitrée et tout. Et au moment où on partait, on a entendu le père et sa fille taper et des gros coups de poing parce que ça faisait pa pa pa. Et c'est là que tu te dis, mais putain, ça te dégoûte de sortir dans des lieux publics, c'est affolant quoi. Mais sinon, à part ça, on a passé une excellente journée. J'ai ramené un petit souvenir. C'est mon petit doudou, je dors avec et tout. Et je l'ai appelé Bao. Voilà, ça va être notre nouvelle mascotte. Je l'ai appelé Bao, vous savez pourquoi? Donc c'est un lémurien. Voilà. Bon, c'est un petit doudou pour les bébés normalement, mais je dors avec. Je suis une gamine. Je rattrape vos messages après, hein, mais je vous explique du coup la sortie. Et donc oui, je lui cherchais un nom et je suis retournée donc sur le site du parc de l'Auxois et j'avais vu il y a pas mal de temps qu'on pouvait parrainer un animal. Et j'ai regardé et du coup j'ai vu qu'il y avait un lémurien qui s'appelait Bao, qui est né en 2005, qui est toujours donc au parc de l'Auxois, qu'on pouvait parrainer pour un certain montant. Alors les sous lui servent à l'entretien bah, des lémuriens en général, pas que pour lui, etc. Et du coup, j'ai parrainé à hauteur de 50 euros pour un an, Bao, donc je suis sa marraine. Je vais recevoir les petits papiers et tout. Et moi, ça me fait plaisir d'aider ce genre de parc où on voit vraiment qu'ils
ils aiment les animaux, quoi. Et c'est pour ça que le petit lémurien que j'ai ramené s'appelle Bao. Voilà. Je rattrape vos messages. Merci Dani Chapop pour les bits, merci beaucoup. Une fois que j'ai acheté les bits, comment faire pour te les envoyer? Ah bah, je pense que tu as trouvé, du coup. Mon fils a 5 ans et demi. Je bois du café. Petit café classique. Adkali, merci pour les 100 bits. Ça y est, voilà, le train arrive, il approche. Je l'entends, regardez dans le chat. Moi, mes ados dorment encore. Ouais, mais c'est des ados, c'est pour ça. Coucou Emma. Trop bien, c'est ça. On a grand ferré ici en Bretagne et c'est pareil. On dérange pas les animaux, aucun n'est en cage. Non, mais c'est ça, c'est ça. Bon, là, voilà, il y a quand même les lions. Il y a des lions, des tigres. Je crois que c'est vraiment un peu les seuls trucs exotiques qu'il y a. Après, c'est plus des animaux de la ferme. Et quelques petits animaux, genre des loutres et tout, mais c'est vraiment, on peut vraiment les voir, ils sont vraiment juste là. Les lémuriens, on rentre avec eux, c'est nous qui rentrons dans leur petite forêt et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien. Les gens sont très irrespectueux, ça me faisait tellement mal au cœur. Et je regrette de ne pas avoir fait demi-tour pour dire au père et à sa fille que stop, quoi. Au bout d'un moment, on les entendait, on était encore loin, qu'on entendait le père, sûrement parce que c'était plus fort, le père taper. Derrière la vitre, quoi. Tu as dit la phrase, ça dégoûte de sortir dans les lieux publics, pas vraiment d'accord. Mais c'est ça, c'est dommage parce que depuis le Covid, on fait plus beaucoup de sorties dans les lieux publics. Et le peu où tu sors, tu vois des trucs comme ça. Enfin, c'est. Mais bon, après, voilà, ça n'entache pas la superbe journée qu'on a passée. J'ai voulu absolument. C'est bête, hein, mais j'ai voulu absolument tout payer pour ma grand-mère. Avec Arnaud, on lui a tout offert. Elle a rien payé, que ce soit du billet, du repas le midi. Des petits trucs à côté de la boutique, je lui ai payé ses souvenirs, enfin voilà, j'ai vu qu'elle avait pris un petit, elle collectionne les dés à coudre en fait, et il y en avait un estampillé Parc de l'Auxois, plus un petit magnète qu'elle s'est pris, et j'ai vu qu'elle s'était pris ça dans sa main, en plus de trucs qu'elle a offert pour Arthur, bien évidemment. Et du coup, je lui ai pris des mains, et je suis passée à la caisse, et je lui ai pris exactement exactement la même petite peluche, parce que oui, on peut avoir 71 ans et aimer les peluches. Ma grand-mère adore les peluches. Merci, Mimanina. Merci beaucoup pour les 100 bits. Et du coup, elle était très contente parce que les lémuriens, c'est vraiment, avec les oiseaux, c'est vraiment les animaux qu'elle a préférés. Elle n'en avait jamais vu et c'était vraiment une grosse découverte pour elle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu lui prendre. Elle était très contente. Mais c'était important pour moi qu'elle passe une journée comme une reine, en fait. Qu'elle n'ait absolument rien à payer, qu'elle n'ait pas ce souci-là, juste elle profite. Voilà. Dani Chapop, merci pour les 100 bits. Ça y est, le train niveau 1 est là. Les diamants actions ne brillent pas beaucoup. Après, ça dépend ce que tu as comme référence. Si tu prends la référence Diamantaire Club, oui, bien évidemment. Après, je sais pas. Ouais, c'est pas mal le système de parrainage. Et puis ça aide pour les animaux, en fait. Donc, ça aide pour le parc, pour les gens qui s'occupent des animaux, pour les animaux. Donc, voilà. Apparemment, maintenant, ils arrêtent les dauphinoriums. Bah là, il n'y en a pas au parc de l'Auxois. Mais oui, je crois que c'est interdit maintenant. Enfin, ça va commencer, il faut le temps que ça se mette en place, mais tant mieux, parce que. Voilà. Laura! Merci pour les 100 bits, Laura, ça y est. Tous les matins, vous avez. Enfin, toutes les matinales, vous allez faire péter le compteur. J'ai 15 ans et pourtant, je suis bien debout. Mais bon, je m'occupe de mon frère. Ah, ok, Auréa. Ouais, les dauphins, les orques, enfin, quand tu vois comment il s'appelle ce truc en France, dans le sud, là, je crois. Mon Dieu, c'est un truc horrible. Comment il s'appelle ce truc avec les orques, là? Qu'ils avaient été inondés, que les animaux avaient été laissés pendant des semaines et des mois sans que personne vienne s'en occuper, qu'il y en a plein qui sont morts et tout. Oh merde, je sais plus. Horrible. Marineland, ouais. Ça fait pas envie hein, quand tu vois des trucs comme ça. C'est beau comme tu parles de ta grand-mère. Bah, mon grand-père est décédé en 2019 et c'est vrai que du coup, pour la première fois de sa vie, hein, quasiment, elle doit apprendre à vivre seule. Et je pense que quand t'es resté marié toute ta vie, en fait, depuis que t'es ado à quelqu'un et que d'un coup tu dois apprendre à vivre seule, que tu perds l'amour de ta vie, en fait, je pense que c'est très 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 compliqué. Nous, on l'a vu et encore, elle cache beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je veux le plus possible lui faire passer des journées comme ça à penser à autre chose. Voilà.
Coucou à ceux qui arrivent. Donc, non, non, mais elle a passé une très très bonne journée apparemment. J'ai pris plein de photos. C'est vraiment une journée, vous n'avez pas vu de story, rien du tout, parce que c'est une journée où j'ai sorti mon téléphone que pour prendre des photos et les garder pour nous. Et voilà, c'était une journée juste 100% famille et c'était trop trop cool. C'est la première fois que je passais, enfin qu'on emmenait ma grand-mère quelque part. Je lui ai dit, elle m'a parlé de Disney et je lui ai dit, il faut que tu vois ça au moins une fois. Je t'emmènerai à Disney, mais le problème c'est que. Alors, elle marche, c'est pas le problème. Elle marche très très bien, elle adore marcher. Là, on a fait 7 km et quelques dans la journée. Le problème c'est le monde. C'est la foule et c'est vrai que Disney. Alors, si je lui ai dit, il faut y aller en février, un mardi ou un jeudi, parce que c'est les jours et le mois où il y a le moins de monde. Mais par contre, il caille sa mère, quoi. Mais voilà. Bien sûr, Mélina, c'est pour ça que moi je vais dans celui que je vous parle. Mais Maryland, non. Par contre, Mélina, ça c'est. Pour Maryland, je peux pas être d'accord parce que ils sont tellement dans la sauce, ils ont tellement eu de problèmes et les animaux sont tellement maltraités à Maryland que non. Mais après, bien sûr qu'il y a d'autres parcs en France et dans le monde qui sont bien pour les animaux. De toute façon, tu remarques tout de suite, hein. Tu remarques tout de suite quand tu vas dans un espèce de... Tu remarques, suivant les parcs, tu remarques tout de suite si c'est que pour la thune ou si c'est pour le bien des animaux, quoi. Tu le vois très très rapidement en général. Tu le vois à la taille des espaces pour les animaux, à l'entretien, aux gens qui bossent là-bas, tu vois aussi. Enfin, c'est un tout et tu remarques très très rapidement. Je vous mets en mute 2 secondes, je me mouche. C'est très glamour. Hein. Je suis pas malade, hein. C'est tous les matins, je mouche un peu. Bon, on va commencer. De toute façon, on va continuer à papoter, hein, vous avez l'habitude. On va se mettre en scène d'épée. C'est un de mes rêves de voir des orques en vrai, mais clairement, ça sera pas dans un parc. Exactement, Juliette. Moi, je suis comme toi. Je me dis la même chose, en fait. Je rêverai d'en voir en vrai, mais ça sera pas dans un parc. Alors, c'est pas très droit cette histoire. Pourtant, j'avais mis un scotch. Ou c'est ma caméra qui a bougé. Ouais, si, ça va. Raleva, merci pour le follow, bienvenue à toi. Nous, on a Bioparc chez nous, il est super bien pour le bien-être des animaux. Je connais absolument pas. Coucou Angélique, est-ce que jeudi matin, il y aura un live d'épée? Oui, puisque comme je vous ai déjà dit, enfin, je vous ai posté le planning hier. Attendez, je finis le café parce qu'après, je vais l'oublier. Je vous ai posté le planning hier. Non, pas jeudi matin. Je te dis des bêtises, excuse-moi. C'est vendredi matin. Justement. C'est pas jeudi matin, c'est vendredi matin. Parce que comme ce week-end, il y a le Z-Event, donc l'événement caritatif annuel qui se déroule sur Twitch. Nous, on regarde tous les ans avec Arnaud. C'est du vendredi soir au dimanche soir. Donc, c'est-à-dire que vendredi soir, samedi soir et dimanche soir, je ne vous fais pas de live, mais c'est juste, je les décale. Je les supprime pas, les lives, je les décale. Donc demain soir, il y aura bien la soirée d'épée. Ça change pas. Normalement, jeudi soir, il n'y a pas de live. Mais là, je vais vous mettre le live qui, normalement, est le vendredi soir. Donc le live de vendredi soir est décalé à jeudi soir. Et on commence donc l'aventure de l'enquête d'Hercule Poirot Agatha Christie. Ça va être trop, trop bien. Donc ça sera jeudi soir. Mais du coup, jeudi matin, je ne vous fais pas la matinale. Je la décale à vendredi matin. Voilà. Donc en gros là, pour jusqu'à dimanche, la suite des lives c'est demain la soirée d'épée. Jeudi soir, on attaque le nouveau jeu d'enquête, Hercule Poirot, et vendredi matin la matinale. Mais c'est exceptionnel à cette semaine-là. À partir de la semaine prochaine, on reprend un planning classique. Il y aura juste du coup le live Sims du dimanche soir qui aura lieu lundi soir prochain. Donc la semaine prochaine, il y aura lundi soir les Sims, mardi matin la matinale, mercredi soir le live d'épée, jeudi matin la matinale, vendredi soir Hercule Poirot pour la semaine prochaine. Voilà. Jeudi soir, il y a le concert. Ouais, mais je regarde pas le concert. Les personnes qui passent ne m'intéressent absolument pas. Mais c'est bien qu'ils fassent un concert, mais ça m'intéresse pas. Donc c'est pour ça que je vous fais moi le live jeudi soir. Le live Hercule Poirot, pour pas louper le début du Z-Event vendredi. J'ai tellement hâte pour le Z-Event, mais comme
Dan, je vais devoir faire des choix beaucoup trop durs pour choisir qui regarder. Bah nous, ça va être MV et Alex Click, mais principalement Mister MV parce que c'est ce qu'on fait tous les ans. Après, voilà, quand il va aller se coucher, on va aller switcher ailleurs. Voilà. J'ai trop hâte du jeu Hercule Poirot, mais moi aussi j'ai trop hâte, ça va être trop bien, je pense. J'ai vu la bande-annonce et tout, et ça a l'air vraiment cool. On n'est pas sur des graphismes de Life is Strange, mais on est sur un truc qui a l'air pas mal. Il me tarde trop la vidéo de vendredi pour l'étoile d'épée de décembre. Ça y est, je l'ai montée. J'ai même fait la miniature. J'ai même fait la miniature. J'ai trop trop hâte. C'est vraiment la vidéo, je crois, que j'ai le plus hâte que vous voyez là en ce moment. Pour justement savoir qui va participer. Est-ce qu'il y a des toiles qui vous plaisent, laquelle vous allez choisir. Enfin bref. Moi, je vais regarder pour LEG. Ils ont l'air pas mal en live. Ouais, les trois nanas là. Je suis pas spécialement fan, mais ouais. Oui, maintenant vous avez la photo. Du coup, vous voyez à peu près où on en est. Donc là, on en est au niveau de son épaule. Vous voyez, vous voyez l'épaule avec son petit truc. On en est là. Comme ça, vous pouvez toujours voir où j'en suis. Daniela, merci pour les 100 bits. Merci beaucoup. J'adore me réveiller avec vous dans les matinales. C'est trop cool. Ça va être bien cet hiver, on va être bien emmitouflé et tout. Je vais passer la journée au tatoueur, tu vas me tenir compagnie. Pas de soucis, Juliette, avec grand plaisir. Je me fais un café, j'arrive. Pas de soucis, menu. Allez, on va attaquer tranquillement. Alors, je vous montrerai à la fin. Bon, j'ai pas hyper avancé. Comme ce week-end, samedi, on n'était pas là et tout. Dimanche, on a fait du ménage dans la maison. Donc, pareil. Samedi, dimanche, j'ai pas fait de DP. Si, dimanche soir, mais non. D'ailleurs, dimanche soir, j'étais en live avec vous. Bah non, j'en ai pas fait. J'en ai fait que lundi, que hier, du coup. Donc, j'ai pas hyper avancé. Mon objectif de finir là, on est le 26, de finir pour fin octobre, hein, c'est mort d'avance. Donc, je me mets mon option B, c'est-à-dire finir pour la première semaine de novembre. Mais ça va être chaud quand même, hein. Même la première semaine de novembre, à mon avis, ça va être chaud patate. Hein. On va voir, mais ça y est, il coupe plus, il faut que je change la lame. On va faire ça tout de suite. Je t'en prie, moi aussi, petit déjeuner, je vais m'occuper de mon DP perle carré que je fais à la pince. Bah moi, celui d'avant, je l'ai fait. Enfin, j'ai fini le DAC avec Peter Pan, là, que j'avais fait entièrement à la pince. Du coup, là, ça me change, ça fait du bien aussi. J'aime bien les deux, mais. Attendez. Elle a volé où? Putain, je déteste ça quand je casse la. Le bout de mon cutter qui coupe plus et que la lame elle vole je ne sais où. Elle est pas dans ma tasse. Genre c'est hyper dangereux quoi. Je sais pas où elle a volé. À tous les coups, je vais la retrouver quand je vais mettre le doigt dessus quoi. Oh! Bon, je regarderai après le live. Elle est pas là. À chaque fois. Hier, j'en ai retrouvé une d'ailleurs. Ah mais Florence, faut pas hésiter, elle est trop trop belle. Elle est magnifique. Ravi d'être sur une matinale. Et bah bienvenue à toi. Faut que tu mettes un sopalin au bout de la lame. Ah ouais, pas bête. Pas bête. J'y penserai, écoute, la prochaine fois. À chaque fois ça me le fait, je sais pas où elle vole. Bah moi la pince, je fais que l'étoile en diamant carré à la pince, mais je l'ai fait entièrement à la pince. Pour les diamants carrés, c'est tellement plus simple et tellement plus rapide que le. Et tellement plus précis, surtout, on fait une pose tellement mieux qu'au stylet. Mais c'est parce que je suis tatillon. Après, si vous y arrivez bien au stylet, y a pas de problème. Alors, c'est parti. Tac, tac, tac. Ah ouais, le micro, il va m'emmerder un peu. Attendez. Il faut que je le monte un peu. Voilà. Vous m'entendez toujours bien ou le son est un peu bof bof? Est-ce que je suis loin au niveau du son ou est-ce que ça va? Quel est le site que tu recommandes pour un premier? Alors pour un premier, si tu as les moyens financiers de commencer par du Diamantaire Club, bah là tu vas te dire waouh, c'est trop bien. Après pour un premier, tu peux prendre sur AliExpress ou chez Action. Il y en a chez Action si tu veux vraiment en avoir un rapidement sans passer commande sur Internet. Tu peux aller chez Action ou AliExpress. T'en auras des pas chers. Pour un premier, c'est pas mal. Je suis sur un DP, broderie diamant, ils sont superbes et les diamants ronds sont superbes. Broderie diamant est un revendeur Mima Nina, c'est-à-dire que c'est des toiles AliExpress que ce site-là vous fait croire en tant que site français et vous revend beaucoup plus cher. J'avais fait un des montages que j'avais mis sur le groupe, comme ça quand quelqu'un demande
demande si broderie de diamant ça vaut le coup. À chaque fois, je ressors mes petits montages, hein, mais ce sont que des toiles AliExpress que ce site commande sur AliExpress et vous envoie. Ou alors, des fois, c'est vraiment carrément du dropshipping, c'est-à-dire qu'ils ne vous les envoient pas eux. Vous passez commande sur leur site et s'ils n'ont pas le stock, eux passent commande sur AliExpress et vous recevez un paquet d'AliExpress. Sauf qu'au lieu de payer 4 balles la toile, vous la payez 15, 20, 25 balles. Beaucoup se sont fait avoir, beaucoup regrettent, tout simplement parce que c'est juste des toiles AliExpress, voilà. Il faut prendre le temps, Dani Chapop. Tu vas tout doucement, mais tu vas voir, au début, c'est normal. Au début, on pose pas très droit. Je pense que c'est pour tout le monde pareil. Et après, avec le temps et tout, on apprend à... Enfin, ça se fait tout seul, quoi, en fait. Tu verras. Tu poseras après de plus en plus droit. On entend bien. Super. Coucou Fanny. Ah ouais, Bureau Vallée. Ah, je savais pas qu'il faisait des DP. Ah, je savais pas du tout. Mon Bureau Vallée, moi ça fait 30 ans que j'y suis pas allée. J'y allais au tout début, alors ça date, hein, au tout début de la boutique. Avant que j'aie des fournisseurs de carton, d'enveloppe bulle, enfin, est-ce que vous voyez, ouais, ça va être un petit peu sombre parce que je vais passer ma main devant et j'ai dû mettre ma lumière ce matin parce qu'il fait trop sombre dehors. Donc vous allez, du coup, il y a de l'ombre, mais bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, au tout début de la boutique, donc il y a 10 ans, clairement, j'allais acheter mes enveloppes bulles et mes sachets zip et tout à Bureau Vallée. Ça, c'était avant de me trouver des fournisseurs. Donc voilà, en gros, j'y suis pas allée depuis 10 ans. Mais j'aimais bien le Bureau Vallée. Moi, de toute façon, j'adore tout ce qui est stylo, papeterie et tout. Donc tu me mets dans un magasin comme ça, je suis heureuse, quoi. Comme à Cultura, Cultura, tu peux m'y mettre, j'y passe l'après-midi, quoi. Entre les bouquins, entre les trucs de dessin, les trucs de loisirs créatifs en général, la papeterie, et les perles. Comment j'ai découvert le DP? Je crois que c'est sur Facebook. J'avais vu passer une pub d'une boutique, une publicité lambda, enfin une boutique qui avait dû payer pour que sa publicité soit diffusée. Il est plus petit celui-là, non? Oui. Oui. Il me semble que c'est comme ça, mais ça date que j'arrive plus à me rappeler exactement. Mais il me semble que c'est comme ça. Et du coup, j'avais vu passer ça. Et c'est tout. Je m'étais dit, ah tiens, ouais, ça a l'air pas mal. Et puis, j'avais mis ça dans un coin de ma tête et c'est tout. Et quelques mois après, j'avais vu repasser, ou j'ai repensé à ça. Enfin, je sais plus comment ça m'est revenu. Et là, je me suis dit, allez, on va tester. Mais bon, à mon avis, ça va pas m'enjailler, quoi. Et puis, bah, j'ai jamais réussi à sortir du truc, quoi. Bon courage Léa, bon sport. Je viens de voir que la Sadel par chez nous fait des DP aussi. Je connais, c'est quoi la Sadel? Je connais pas du tout. Bureau Vallée, c'est des... C'est pour les professionnels? Bah c'est pour tout le monde. Non, non, c'est pour tout le monde. Mais moi, au tout début, j'avais pas spécialement de... Enfin, j'y allais en tant que particulier au tout début de la boutique. Hein. J'y allais pas... Enfin, j'étais déjà déclarée et tout, mais je veux dire, je... Bureau Vallée ne me connaissait pas en tant que professionnel, quoi. J'allais juste acheter mes enveloppes bulles, mon papier bulle et tout. Du coup, voilà. Mais c'était avant de trouver des fournisseurs et de voir que je pouvais avoir pour moins cher, quoi. Hein, parce que, clairement, plus t'achètes en gros chez un fournisseur, plus... Enfin, moins tu payes. Mais bon, au tout début, on sait pas trop déjà si la boutique va fonctionner et tout. Donc, puis j'avais pas beaucoup de commandes. Enfin, ça allait tout doucement au début. Donc, j'avais les moyens d'acheter 30 enveloppes par week-end. Ça me suffisait, quoi, on va dire. Monsieur Bricolage. Ah ouais? Genre, Monsieur Bricolage. Ça, par contre, j'en ai un à 10 minutes de chez moi. Monsieur Bricolage, ils ont des DP. Ouais, mais c'est des trucs super chers, quoi, à mon avis. Enfin, que tu peux trouver. Une déco. Ça y est, ça s'est reconnecté. Petit bug d'OBS. Recoucou. Ça a bugué.
Mais c'est pas moi, c'est OBS. Normalement, c'est revenu pour ceux pour qui ça avait bugué. Je sais pas ce qui s'est passé, mais... J'ai chaud. Coucou Mallory, comment vas-tu? Ouais, il y a eu un petit bug là, je sais pas, une petite déconnexion, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. Vous êtes presque 100 dès le matin, c'est une plaisanterie. Sérieusement? Dès le matin? Alors. Non, j'ai pas été jusque là, ok. Oui, il y a eu un petit bug, il y a eu un petit bug, c'est normal. Une légère déconnexion, mais ça s'est remis tout de suite. Oups. Je suis allée un peu trop près de la caméra. tout le monde est en vacances. Ah oui. Après, le matin, c'est trop bizarre. Le matin, dans les matinales, on est souvent beaucoup plus que le soir. Donc, ouais, il y a eu une petite coupure, mais c'est revenu. Coucou Léa. Je sais pas si je t'avais dit coucou. Je ne sais plus. Bien, je me réveille doucement. Eh ben, bon réveil à toi. Chez moi, monsieur bricolage et bureau valet, ils font pas de DP. Après, peut-être qu'en Belgique, ils font pas. Je sais pas. Ben, moi, j'irai voir un monsieur bricolage à l'occasion, je vous dirai du coup. Non, souvent, ça vient d'ici quand en plein live, il y a une petite coupure. Non, c'est bon, Maïva, ça bug plus. Il y a juste eu un petit bug et... Ça a coupé 5 secondes et c'est revenu. le soir, il y a mes enfants à s'occuper et aussi le mari. Ah, bah, je comprends. Bon, moi, après, après j'en ai qu'un. Donc, Arthur, une fois qu'il est au lit, Arnaud s'occupe tout seul, quoi. alors. Ah, bah, l'émoticône lutin slip bleu. Didine, va falloir que j'économise pour passer commande. Auprès d'un graphiste ou d'une graphiste pour avoir 4-5 émoticônes. On va commencer par 4-5 émoticônes. Mallory. Merci pour les 50 bits. Prends le temps de te réveiller, Mallory. Tout va bien. Merci beaucoup. Oui, pour des émoticônes, faudra que j'économise un petit peu pour que je puisse passer commande de quelques petits émoticônes auprès de quelqu'un qui va faire ça tout bien, tout beau. Et il y aura bien sûr l'émoticône du lutin en slip bleu, bien évidemment. Ça, c'est indéniable. Indiscutable. Coucou Calo, bienvenue pour ta première fois sur le chat. Oui, des fois, il faut juste réactualiser pour que ça revienne, hein, quand ça bug. Vous réactualisez un coup quelques secondes après et c'est bon, ça repart. 129 ! Vous êtes 129 ! Sonia, merci pour le follow. Non, mais 129. D'accord, très bien. Coucou à tout le monde. Je commence à être gênée. J'ai acheté la bougie sapin de chez Charou, ça sent bon de fou. Mais oui, elle sent, moi Arnaud dit qu'elle sent un peu les toilettes, mais ça sent le pain. Pour moi, elle sent vraiment la fraîcheur de la forêt le matin quand il gèle et tout. J'adore, j'adore. Coucou Coco. Tu as eu des retours d'ailleurs sur la VOD de... Ah oui, du slip bleu, bah, il y en a plein qui ont dit qu'ils étaient dégoûtés d'avoir loupé ce moment et tout. Et bah, il y en a plein qui ont rigolé apparemment au vu des commentaires. Donc, Alors, c'est un micro de près, Ludivine. C'est voilà, un vrai micro comme j'aimerais bien, sur pied. Et c'est le micro d'Arnaud, mais comme il est en vacances, il me le prête. Voilà. Donc c'est juste, juste pour une semaine, deux semaines en gros. Mais dès qu'il reprend le boulot et qu'il reprend les réunions, les trucs comme ça, le micro repart. Mais du coup, comme oui, comme je vous avais dit, quand on fera le live 12 heures, quand on aura atteint le sub goal, je mettrai en place pendant ce live 12 heures une barre de donation. Et tous ceux qui donneront des petits bits, s'il y a des personnes qui donnent des petits bits pendant ces 12 heures, tout ira pour l'achat d'un micro. Voilà, donc la barre de donation sera pile poil calculée sur le prix d'un micro qu'on aura repéré avec Arnaud. Donc un micro bien, pas trop cher, mais quand même pas de la merdouille, un truc qui me tient dans le temps, quoi.
dans une gamme moyenne de prix, on va dire. Et tous les petits bits qu'il y aura pendant ce live 12 heures seront pour que je puisse avoir mon vrai micro, voilà, pour avoir un bon son comme vous avez là. Parce que, enfin, je trouve que ça change tellement par rapport au son que j'ai avec mon petit micro du casque de d'habitude que, voilà. Pour moi, pour votre confort, c'est un achat primordial, sauf que, bah, voilà, comme je débute sur Twitch, j'ai pas forcément les moyens, donc je me dis, voilà, pendant le live 12 heures, s'il y en a qui ont le cœur à faire des petits dons de bits, bah, tout ira pour un casque, et si après il faut, je compléterai, et voilà. Tech. Ninine, merci pour les 75 bits, ça fait longtemps, Ninine, qu'on t'avait pas vu, non? J'ai l'impression que ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça fait moins un cheveu sur la longue. Merci. Coucou à ceux qui arrivent. On se réveille en douceur, en faisant du DP. Tranquillement, j'avance sur ma toile Diamond Dark Club. Tech, en papotant avec vous. Aujourd'hui, je sens que ça va être une journée comme j'adore. Toute grise, là, il fait tout gris. C'est pour ça que j'ai dû allumer... C'est pour ça que vous voyez un petit peu... C'est un petit peu sombre. Parce que je fais de l'ombre avec ma main, mais j'ai dû allumer la lumière. D'habitude, on n'a pas besoin de l'allumer pendant les matinales parce qu'il fait soleil et que ça... Comme la porte-fenêtre est de ce côté-là, ça éclaire bien la toile du bon côté. Mais là, comme il fait tout... Il fait nuit, presque. Puis avec le changement d'heure qui va arriver, ça va pas arranger le truc. Du coup, je pense que pour les matinales, à partir de maintenant, on va souvent être obligé de mettre la lumière. Mais sinon, il faudrait que je mette ma petite lumière sur pied, sinon de l'autre côté. Un bon micro, bah, ça dépend vraiment. Il faut compter minimum 150 euros. Minimum, c'est vraiment le... Si tu veux un d'une bonne marque, voilà, c'est vraiment le minimum. Après, forcément, plus tu vas mettre cher, plus ça va être bien. Mais nous, on va essayer d'en trouver un entre 150 et 200, grand max, quoi. Parce qu'après, moi, j'ai pas non plus envie de mettre je ne sais pas combien dans un micro. Il faut que ça soit un qui soit pas trop mal et qui tienne dans le temps. Donc, merci Mélina, c'est très gentil. Diamond Dark Club, quand tu as mis les pieds dedans, c'est foutu. Ouais, mais c'est vrai. C'est parti pour la dernière bande de mon DP. Oh, c'est tellement bien quand on fait le dernier carré ou la dernière bande. Il me semble que tu avais déjà répondu combien d'années tu étais en appartement et combien de temps actuellement en maison. Alors l'appart, on est resté... Arnaud et moi, on a emménagé au bout de 2 ans, ensemble, si je dis pas de bêtises, 2009, 2010, 2011. C'est ça, on s'est mis ensemble en 2009. En 2011, on emménageait ensemble. Donc pendant 2 ans, on s'est vu que les week-ends, les vacances et tout, voilà, comme des jeunes, quoi. En 2011, on a emménagé ensemble et en 2014, on a acheté la maison. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, là, ça a fait... avant-hier, ça a fait 7 ans pile qu'on est devenu propriétaire. Donc, il y a 2 jours, ça faisait 7 ans pile qu'on signait... Voilà. Du coup, je crois qu'on a été proprio à 28 ans, un truc comme ça. Je sais plus. Voilà. Voili, voilou. Non, même moins que 28 ans, c'est 28 ans, oui, 27 ans, un truc comme ça, enfin bref. Il y a 7 ans, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26 ans, 26 ans. Oui, je suis obligée de compter sur mes doigts. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Vous allez me taper? On a exactement le même âge, on a 8 mois de différence. On est né tous les deux en 88. Il a 8 mois de plus, il est né le 4 janvier, je suis née le 15 septembre, 88. Donc, mais on a le même âge. 8 mois, ça compte pas, hein. Bah si, il est 8 mois plus vieux. Du coup, je le traite de vieux, mais... On a exactement le même âge, ouais. Tiens. J'ai fini mon DP tournesol. Je suis contente maintenant de Noël. Yeah. Quand est la vidéo des défis de Noël, calendrier de l'Avent? Vendredi à 17h, Manon. Elle sort. Achat en 2015, pour nous, ça change la vie, surtout quand tu quittes la ville pour la campagne. Ouais. Bah nous aussi, c'était pas non plus la grande ville, hein. Ça reste une ville à la campagne, mais c'était quand même la ville, on va dire.
dans une résidence de jeunes où il y avait des étudiants, voilà, une résidence étudiante où c'était le zbeul tous les soirs, c'était n'importe quoi. Il y a eu un braquage à main armée juste en dessous de chez nous, la pauvre nana là, elle est partie le lendemain, elle est même pas restée dans son appart. Enfin bref, du coup on était très contents d'arriver à la campagne. J'en peux plus, l'appartement, vu que l'on soit en maison, juste ça fait peur. Je regarde tout le temps des films d'horreur, j'espère que ça ira. Mais j'avais très peur, Flo, tu sais. Je me suis dit, ouais, c'est sûr, il va y avoir des cambrioleurs, c'est sûr, machin. Et en fait, j'ai moins peur qu'en appartement. Parce qu'en appartement, j'avais tout le temps peur. Enfin, en fait, ouais, j'avais tout le temps peur que quelqu'un sonne. Quand tu vois, de toute façon, enfin, pas la plupart du temps, mais beaucoup d'histoires. Moi, vous savez, je suis absolument dingue de trucs de crime et tout. Hein. J'en bouffe tout le temps. Et du coup, mais souvent les trucs se passent en appartement. Bon, il y a aussi des trucs qui se passent en maison, mais je sais pas, appartement, moi ça me fait. Enfin, là, avec le. Je pensais comme toi, mais tu vois, avec le recul, j'aurais plus peur de retourner en appart qu'en maison, du coup. Je trouve ça plus safe en maison. Après, ça dépend où tu habites aussi, je pense. Hein. Emeline, qui fête ses 2 mois. Happy tout Mons? Evelyne. Emeline, pas Evelyne, putain. Evelyne, c'est ma grand-mère, c'est pour ça que c'est mon troisième prénom. Emeline, voilà. Coucou, rien ne va ce matin. Grrr, je n'ai pas accès au chat. Bah, que se passe-t-il? Oh non. Du coup, tu m'entends, mais tu peux pas nous lire. Oh non. Non, jamais eu de cambriolage, jamais eu de cambriolage. Après, je suis souvent à la maison, mais justement, moi, j'avais peur au début, c'est vrai. Flo, j'avais peur. Justement, je disais à Arnaud, mais il y en a, enfin voilà, il y a des cambrioleurs qui vont repérer que tel jour, je suis seule, tel jour, t'es là, machin, et qui vont venir, mais non, non, non. Après, il y en a eu, on a eu vent, je crois que c'était en début d'année, ouais, qu'il y a eu des cambriolages dans le village, mais écoute, chez nous, ça va. On a jamais eu de soucis. Après, bon, en soi, moi, le cambriolage, c'est pas ce qui me fait le plus peur, moi, c'est. C'est ce qui peut découler du cambriolage, c'est-à-dire que si on me vole mon matos, enfin les télés, enfin j'en ai rien à faire quoi. Moi j'ai toujours peur des cambriolages qui tournent mal quoi. Ça c'est qu'on fasse du mal à Arthur ou à nous quoi. C'est vraiment le truc qui me fait le plus peur, ou aux animaux. Mais non, en soi. Après voilà, enfin ça peut arriver n'importe où malheureusement, même en appart. Hein, Comme je vous dis, la nana d'en dessous, quand on était en appartement, elle a eu un braquage à main armée. Le lendemain matin, elle est partie. Elle est jamais revenue. On l'a vue partir. Et on s'est dit, bah, elle part juste une ou 2 nuits, quoi, le temps de se retourner. Ah bah non, elle est jamais revenue. C'est d'autres personnes, des potes ou son père ou je sais pas qui étaient revenus pour déménager. Elle n'a jamais remis les pieds. Elle est partie, elle est pas revenue dans l'appartement. Mais je comprends totalement. Moi, j'ai la chance d'habiter en campagne, en plus, en ferme, au calme, compagnon agriculteur. Ah ouais, mais non, mais nous aussi, on est pas à la ferme, hein, mais on est à la campagne profonde. Hein. On est dans un village avec 400 habitants, donc c'est vraiment très très calme. Coucou Marie-Fraise, ça y est, ça fonctionne. Emeline qui arrive à accéder au chat. Les petits chiens sont de garde. Ouais, bah, justement, c'est pour ça que j'ai peur, parce que je me dis que si jamais il y a des cambrioleurs qui viennent, les pauvres, ils vont rien pouvoir faire, quoi. Donc, voilà. Mais bon. J'ai plus peur pour eux plutôt qu'autre chose, quoi. Ça fait longtemps que je suis pas venue sur tes lives. Oui, c'est vrai, Lynn. Ouais, non, mais elle a été traumatisée, la pauvre. Je comprends aussi. On lui avait pas parlé ni rien, mais on avait entendu les hurlements et tout. Puis après, ça s'est su dans une résidence. Tu sais très vite ce qui s'est passé quand t'as entendu des hurlements, que t'as vu des mecs, des bagnoles. Donc voilà, dès le lendemain, on a tout de suite su que c'était un braquage à main armée, mais ça se passe dans l'appartement en dessous de chez nous, quoi. Donc tu dis, ah, il serait peut-être temps qu'on se barre, non? Pourtant, on n'habitait pas dans la zone. Hein. On était vraiment dans un endroit censé être calme, censé être calme, mais c'était pas si calme. Alors c'était un truc résident, c'est-à-dire résident, étudiant, donc c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, il y avait des petites soirées, des trucs comme ça. Mais c'était pas censé être la zone niveau délinquance, quoi. Tac, on va essayer de pas se gourer. Hop. Les points de chaîne, ça sert à. Alors, moi, je les personnaliserai plus tard, les points de chaîne.
C'est-à-dire que je pourrais dire, voilà, si la personne dépense 10 000 points de chaîne, elle pourra l'utiliser pour lancer une musique sur le live, ou voilà, je pourrais personnaliser ça. Mais actuellement, si tu cliques sur le petit truc points de chaîne, tu peux voir que pour 170 points, tu peux mettre ton message en avant, c'est-à-dire que moi, je le vois en surligné sur le chat, et du coup, si jamais un jour il y a beaucoup de monde, je peux plus facilement voir ton message. Pour 380 émoticônes, je sais pas quoi, enfin voilà, tu peux les dépenser comme ça, mais ça, je peux le personnaliser moi, il faudra que je prenne le temps de le faire. Là, c'est les trucs de base, j'ai pas du tout pris le temps de personnaliser, je m'y connais pas encore trop, trop, trop. Donc, comme l'âne, trop, trop. Trop. Voilà. Moi aussi, j'habite à la campagne, pas très loin de chez toi, soit dit en passant, et c'est la vie. Pour rien au monde, je retournerai en ville. Ouais, non, mais moi aussi. Après, il y a ville et ville. Moi, je trouve que le truc que je déplore un peu ici, dans mon village plus particulièrement, c'est que y a même pas une boulangerie. Moi, j'aimerais bien une boulangerie ou même une supérette ou un commerce. J'aimerais bien un commerce. Et c'est pas le cas. C'est-à-dire que si tu veux aller chercher, imaginons, bon, nous, on n'est pas des consommateurs de pain. Mais si tu veux chercher une baguette, il faut faire 3-4 km. Allez, 3-4 km, retour. Donc c'est un peu le seul truc ou au moins un camion qui passe comme à l'ancienne, quoi. Un camion de boulangerie qui passe dans le village, qui sonne et tu sais que tel jour il passe, machin, enfin tous les matins à telle heure. Au moins ça. C'est le seul truc, moi, qui fait que je pourrais aller dans la campagne, mais une ville un peu plus grande où tu as au moins une pharmacie ou une boulangerie ou voilà. C'est vrai que c'est chiant, quoi. T'es éloigné du village. Moi, je suis à la sortie du village. Je suis vraiment. Il n'y a pas grand-chose où je suis. Je suis vraiment au bout du bout du bout du village. Ouais, incendie, j'avais peur aussi, surtout que nous, on a on chauffe au gaz et tout, et j'ai toujours peur de fuite de gaz, machin. J'ai eu très très peur au début, avec la chaudière et tout. Je me suis dit, ah ouais? Parce que quand tu passes d'un appart où c'est chauffage collectif, ça fait moins peur. T'as pas à gérer en plus, t'as pas à mettre en route une chaudière, t'as pas. Voilà. Ça fait beaucoup moins peur. Attendez. Je vais jusqu'où là? Ouais, si, c'est bon. 9, il n'y a pas d'autres 9, je crois. Et du coup, là, quand tu te retrouves avec un truc à gaz et tout, tu te dis, ah ouais, merde, s'il y a une fuite et que la baraque explose. Plus de boulangerie non plus, elle a fermé il y a 2 ans. Ah ouais. Ça, c'est chiant, quoi. Est-ce qu'ils font des événements dans ton village, genre marché Noël? Non, rien du tout. Le seul truc là qu'il y a, je crois, le 20. Bah, demain, je crois, c'est une soirée paella, mais bon. Non, non, quoi. Déjà, on mange pas de paella. Puis non. Nous, on est un peu des sauvages, hein, de toute façon. Si, le seul truc qu'ils font, c'est un vide-grenier. Un vide-grenier, tous les ans, on y va. Enfin, on le fait en tant que visiteur. On l'a fait, je crois, 2 fois en tant qu'exposant, mais voilà. Sinon, non, non, il n'y a rien du tout. Tout ce qui est marché de Noël, tout ce qui est truc, faut aller aux alentours, quoi. Ah oui, Émilie, non, mais après, c'est soit tu. Après, soit tu préfères la ville ou soit tu préfères la campagne, quoi. Le gaz, on a pour chauffer toute la maison. C'est une chaudière, donc du coup, ça chauffe l'entièreté de la maison. Et moi, ça me faisait un peu peur au début. Mais je suis dans un lieu dit d'un village de 800 habitants. Et pas de commerce ni de boulangerie non plus. Ah ouais? Bah, nous, tu vois, on est 400, rien du tout non plus. Hein. Oh, les vide-greniers, moi aussi, j'adore. Grande passion. Chez nous, un bistrot qui fait pizza à emporter et une épicerie vrac, c'est déjà pas mal, qui va bientôt ouvrir. Ah oui, en espérant qu'elle fasse des pots de pain, car sinon rien non plus. Bon, après, ouais, t'as déjà un truc de pizza, c'est déjà cool. Bah, nous, après, on a un kiosque à pizza. Appliquer, tac, ok, voilà. Coucou, coucou à ceux qui vont revenir. Je vous laisse le temps de revenir tranquillement. Oh la poisse, quoi. Recoucou, recoucou.
Coupure de courant. Ouais, coupure de courant. Voilà, on adore. Il y a eu une coupure, tout s'est éteint, j'ai dû rallumer. Sauf qu'au moment de rallumer, mon PC n'avait plus internet. Donc j'ai dû le re-rallumer. Voilà, re-coucou. Je vais attendre que tout le monde revienne. Voilà, coupure de courant. Ça, c'est aussi les aléas de la campagne. On parlait de la campagne. C'est les aléas de la campagne. Des coupures de courant comme ça. Voilà. Pas de soucis, Mawani. Aucun souci. Si, on n'est pas comme les Sims, on paye les factures, mais non, il y a des petites coupures comme ça. Il suffit qu'il y ait un peu trop de vent, un peu trop de pluie, un peu trop de ci, de ça. Voilà. Bien sûr que j'ai relancé. J'étais mal déjà. Mais ouais, d'un coup, ploup! Mais c'est revenu tout de suite, ça vraiment comme si ça avait clignoté. C'était pas une grosse coupure qu'il faut qu'Arnaud aille remettre le compteur, machin. Là, ça fait tic-tic! Mais ça suffit pour bien sûr couper l'ordinateur, quoi, donc. Ah oui, 30 minutes. Ah ouais, non, là, ça a été vraiment instant. Arnaud m'a même dit que de l'autre côté, la télé, ça ne l'a même pas coupée, en fait. Enfin, elle a juste clignoté. Mais c'est bon, ici, moi, j'ai eu le PC qui s'est éteint et tout, quoi. Si, bien sûr que je vais pas vous laisser. Bon, enfin, il aurait pas fallu que ça soit une grosse coupure qui dure longtemps, mais bien sûr que je reviens. Je reviendrai toujours vers vous. Et on a Laetitia qui a follow il y a 5 minutes, je crois, pendant la coupure. Bienvenue Laetitia. J'ai vu que j'ai gagné un mois d'abo grâce à Arnaud. Oui, je savais pas que c'était possible là, si on n'est pas connecté. Si. Normalement, ça prend déjà, je crois, en premier quand ça donne des. Enfin, quand ça attribue les subs offerts, ça les donne en premier à ceux qui sont là, je crois. Et après, si vraiment il n'y a pas assez de personnes, il me semble que ça prend sur les personnes qui follow la chaîne. Si je dis pas de bêtises. Hein. Merci Calife. Moi, ça a clignoté 3 fois, au secours l'électronique. Bah là, recoucou à ceux qui arrivent. Petite coupure de courant. Et voilà, j'ai redémarré le plus vite possible. Et on continue la matinale. On va pas se laisser embêter par une coupure de courant, non mais. Ça suffit, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, il y a ce matin, bon, c'est tout gris, mais il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Donc, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il y a une petite coupure. Gratouille. Alors, bon, j'ai fini de poser la couleur marron foncé juste avant, du coup, pendant la coupure. En attendant que ça redémarre, j'ai continué à poser les marrons. Là, on est sur les numéros 4, là, la couleur un peu caramel. Tac. J'ai mal à mon poignet en ce moment, ça faisait longtemps. Vous savez que j'ai un kyste à mon poignet droit. Et là, ça y est, des fois, il me fait mal, des fois, il me fait pas mal. Et là, il me refait bien mal. Et puis on le voit bien. Et là, il me refait bien, bien mal. Puis bah, c'est la main droite, hein, forcément, sinon c'est pas drôle, quoi. Mais là, ouais, là, il est bien gonflé, il est bien gros, il me fait bien mal. Puis comme je fais pas mal de DP en ce moment. Oh, la vache, ouais, là. Oh, non, mais regardez. Un œuf, quoi. L'autre côté, j'ai rien. Bon, j'ai les tatouages, mais vous voyez, j'ai pas. Mais là. Mais le médecin, il m'avait dit oui, tant que ça vous handicape pas. Oh putain, le coco quoi. Tant que ça vous handicape pas, c'est pas très grave. Parce qu'après, c'est l'opération, mais apparemment, l'opération, c'est douloureux, c'est très chiant. Puis moi, c'est la main droite, donc ça me saoulerait de devoir me faire opérer. Est-ce que les personnes qui font des. Est-ce que les personnes. Ah, non. On a, alors dans le village, on a deux, trois maisons qui mettent une guirlande comme nous, une petite guirlande extérieure. Mais on n'a pas, malheureusement, on n'a pas de maison hyper décorée ici. On a juste deux, trois maisons qui mettent juste une petite guirlande extérieure. Ah, super les travaux. Coucou Estelle. Oui, petite coupure électrique ici, hein, c'est pour ça. Bah justement, je me fais pas opérer à Lyre, justement, parce que mon médecin m'a dit que c'était vraiment en dernier recours. Parce que c'était chiant, parce qu'on ne pouvait pas vraiment se servir de sa main pendant plusieurs temps et tout. Et moi, comme c'est ma main droite. Voilà, puis apparemment c'est une opération temporaire, ça revient. Non, j'ai pas essayé l'acupuncture pour ce kyste-là, j'avais fait l'acupuncture pour mon problème de genou, ce qui n'a absolument rien fait.
Moi, ça serait grave mon kiff comme ça, les décorations. Bah, nous, on a mis juste une guirlande. Après, c'est vrai qu'on aimerait bien faire plus, mais on a un souci ici dans cette maison, c'est qu'elle date donc de 75 et l'électricité date de 75. C'est-à-dire que, mais ça, on l'a découvert bien après, hein. Donc, on a vu, par contre, si avant de l'acheter, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de prises électriques. C'est-à-dire que dans le salon, et encore là, le salon, on l'a coupé en deux parce que là, la pièce où je suis, c'était le salon. Mais on a mis un mur parce qu'on avait un grand salon de plus de 60 mètres carrés, je crois. Du coup, on a coupé pour faire une autre pièce ici qui est la pièce bureau. Mais officiellement, je suis dans le fond du salon. Mais plus maintenant. Donc notre salon fait 30, 30-40 mètres carrés là. Et on a cette pièce-là qui fait le reste. Bah, les personnes, en fait, dans tout le salon, ils n'ont que deux prises électriques, quoi. Parce qu'avant, tu avais beaucoup moins de trucs électriques que maintenant. Et toute la maison comme ça, t'as qu'une prise par pièce, quoi. Ce qui fait que si on veut mettre des trucs à l'extérieur, ça va être chiant. Et avant, faudrait qu'on refasse tout l'électricité pour mettre des prises partout et tout, parce qu'en plus, nous, on a 10 000... on a 10 000... Si, si, bien sûr, Blisney, il faut qu'on le fasse, quoi. Après, c'était... Enfin, la maison n'était pas insalubre. Elle était vendable dans l'état au niveau de l'électricité. Tout était quand même aux normes, mais... C'est juste qu'il n'y a pas assez de prise. Il n'y a pas assez de prise, quoi. Donc, c'est chiant. Et quand on allume trop de trucs dans la maison, ça tire trop sur le jeu et ça fait des coupures de courant. Donc là, ce matin, non, c'est pas ça parce qu'ils ont juste la télé à côté. Mais par exemple, on ne peut pas mettre en même temps le four, le lave-vaisselle et une machine à laver. C'est trop. C'est trop, c'est trop. Là, ça coupe. Donc, faut choisir. Faut choisir, soit tu fais cuire ton truc au four et la machine à laver, et la machine, tu la fais après, soit la machine et t'attends pour manger. Enfin, voilà. Oui, c'était une famille avant nous, bah, c'est ceux qui, je pense, ont fait construire la maison, sauf qu'il restait plus que la dame, qui était très très vieille, quand elle nous a vendu la maison. Et il y a plein de trucs qu'elle ne nous a pas dit, des trucs cachés, comme le fait que la maison a déjà été inondée. Ça, elle nous a même dit que non. Et nous, on avait eu confirmation, quand on a été inondé, bah, il y a 3-4 ans, on avait eu confirmation que bah, si l'eau était déjà montée jusque dans le garage, donc... Enfin voilà, mais sinon non, enfin sinon je veux dire, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas assez de prise d'électricité, et l'électricité est vieillotte, quoi. Donc faudrait tout refaire, mais c'est chiant, c'est long. Voilà. Ouais, c'est ça, Mimanina. Non, 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 on n'a pas fait de travaux. On n'a pas fait de travaux. Comme elle était habitable comme ça, on n'a pas fait de travaux. Après aussi, on a fait toute la chambre d'Arthur. C'était vraiment comme je suis tombée enceinte. Un peu moins d'un an après l'achat de la maison, c'est le premier et gros truc qu'on a fait dans la maison, quoi. Et là, le prochain truc qu'on aimerait bien faire, c'est la cuisine. Mais bon, ça demande de l'argent, ça demande du temps, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait vraiment de gros travaux, mais on a le temps. On a encore 20 et quelques années de crédit, alors on a le temps. Ah, bien sûr, c'est pas les normes de maintenant, bien évidemment. Mais en tout cas, quand on l'a acheté, il n'y avait pas de souci. Enfin, je veux dire, on pouvait habiter dedans. C'était quand même sécure, ça a été vérifié et tout, hein. C'est juste que c'est vieillot, quoi. On est pareil à la maison pour le machine et four. Mon mari dit que c'est pas ça, lol. C'est la puissance de votre abonnement. J'ai pas trop capté. Mais... Non, 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 c'est pas ça, Flo. Non, non, c'est pas ça, tout ça a été vérifié, Arnaud a tout vérifié et tout. Non, non, c'est pas l'abonnement. C'est vraiment le souci au niveau de l'électricité dans les branchements, les trucs, hein. C'est pas l'abonnement électrique, hein. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que tout ça a déjà été vérifié et tout. Donc voilà, bref, écoutez, ça restera comme ça le temps de faire les travaux électriques, hein. Mais on l'aime bien, notre vieille petite maison. On est bien. On est au calme. Alors, 5. Ce serait bien qu'on ait le temps de faire deux carrés, hein, comme d'habitude. Bon, là, on en a presque fini un, donc... Tac. Voilà. Vous êtes 76 à être revenus.
Il y en a qui ont dû croire que j'étais partie, partie. Mais non. Je suis reviendue. Tac. Oh, je suis trop contente. J'ai vu que mes trois petites boîtes que je me suis commandées exprès pour le défi calendrier de l'Avent de Noël, là, dont la vidéo sort vendredi, n'est-ce pas? J'ai vu que mes petites boîtes que je me suis commandées exprès, là, les trois petites boîtes en plastique avec 24 petites fioles, j'ai vu que c'est arrivé en France, d'AliExpress, donc je suis contente. Je suis contente. Je vais pouvoir bien tout préparer pour être prête pour le 1er décembre, puisque si vous n'avez pas suivi lors du dernier live, je vais me lancer le défi de faire les trois toiles du défi. Donc, voilà. On va voir comment ça se passe, cette histoire, mais... Ah non, c'est bon, on est au bout. Ok. Oh, bon, on a presque fini le carré, au final. J'ai chaud. Je vais enlever ma veste. Il y a le chauffage dans le bureau, je pense. Oui, 24 couleurs chacune. Enfin, 24 couleurs chacune, si vous les prenez sur FG normal, là où je les ai prises. Après, si vous les faites en perso, il faut juste que ça fasse 30-40. Ça, il faut respecter vis-à-vis des... Pour qu'on soit tous à la même égalité, on va dire, faut qu'elle fasse 30-40. Mais après, si vous les prenez chez une autre boutique ou vous les faites en perso chez un vendeur AliExpress, il n'y aura sûrement pas les mêmes couleurs. Moi, en tout cas, sur FG Normal, là où je vais vous mettre les liens et là, moi, où je les ai prises, elles font 24 couleurs chacune. Je vous explique tout. Franchement, je suis fière de moi. La vidéo fait une demi-heure. Mais je vous ai tout bien expliqué. Donc, je suis très contente. Voilà. Très fière de moi. Même si c'est long. Attendez, je cherche le Y parce que... Même si, ouais, une demi-heure, c'est long. Mais bon, en même temps, je vous présente trois toiles. Je vous explique le défi de Noël. Je vous donne le hashtag parce qu'on va avoir un petit hashtag dédié, etc. Donc, yes. Le 1er novembre, je décore et je filme même un petit vlog de ma journée où je vais pouvoir vous montrer un petit peu les décos que je vais mettre. Bon, on n'a pas grand-chose, hein, mais... Comme ça, oui, je vais faire un vlog de ma petite journée. Et puis, je vous le posterai le vendredi, du coup, 5 novembre, je crois que ça tombe. Enfin, le vendredi prochain. Ah, pas vendredi prochain, déjà, oui. Ah oui, parce que le premier, c'est déjà lundi. Ah, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. bien sûr, oui, il y a Ludivine, il y a des vlogs de Noël cette année. La vidéo du défi de Noël, voir vivement. Mais moi, j'ai trop hâte que vous la voyez. Donc c'est vendredi 17h cette vidéo-là. En ta compagnie, c'est jamais trop long. C'est gentil, Mallory. Nous, on fête Halloween et le premier, peut-être décoration, car un peu la flemme avec ma fille et mon chat qui mangent le sapin. Ah ouais, j'avoue. Donc ta fille et ton chat mangent le sapin, les deux. J'adore. Je suis en train d'en faire une de Noël de chez Spell Queen. Ok. Une demi-heure pour toi, c'est pas trop long. Non, mais une demi-heure pour moi, franchement, c'est pour vous expliquer un défi de Noël, c'est court pour moi. Mais je sais que pour vous, ça peut être long. Mais bon, il fallait au moins ça. Je vous montre les trois toiles, je vous explique comment j'ai galéré à bien choisir et tout, machin. Je vous explique le défi, je vous explique ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Enfin bref, il n'y a pas grand-chose de pas autorisé. Mais... je vous explique, voilà, je vous explique un peu tout en une demi-heure. Franchement, ça va, hein. Là, j'ai déjà fait la miniature et tout. La vidéo est déjà en hors ligne sur YouTube. J'ai plus qu'à faire la barre d'infos au final. Et à la programmer pour vendredi, 17h. Voilà. Et ouais, franchement, dans les commentaires, je vous le demande dans la vidéo, mais c'est pas juste pour avoir des commentaires, parce que je m'en fous. Voilà. Mais c'est vraiment parce que je suis très curieuse de voir laquelle des trois va être le plus choisie pour ceux qui vont en faire qu'une, c'est-à-dire la plupart des gens. Hein. J'ai hâte de voir laquelle va le plus ressortir. Parce que je pense que forcément, après je me trompe peut-être, hein, mais je pense que forcément il y en a une qui va plus ressortir dans les choix que d'autres. Après les trois sont très belles, donc voilà, mais j'ai hâte de voir en fait. 30 minutes, un record. Non, mais j'ai déjà fait beaucoup moins. Tes vidéos de 50 minutes et quelques, j'adore. Bah, les vlogs de Noël, j'ai du mal à faire moins de 30 minutes, j'ai beaucoup de mal. En même temps, je filme ma journée. C'est compliqué de résumer une journée en moins de 30 minutes. C'est très compliqué. Surtout quand on est pipelette comme moi. C'est pour ça qu'en général, les vlogs de Noël font entre 30 et 45 minutes. Voire des fois 50, mais bon... Après, à partir de 50 minutes, je me ramasse des commentaires de « Ouais, mais c'est des vidéos de 50 minutes, ça sert à rien. Autant regarder un épisode de série Netflix. » Bah, va regarder un épisode de série Netflix, je te dis quoi.
Non, mais en vrai, les gens comprennent pas que c'est compliqué de résumer une journée entière en moins de 30 minutes. Il y en a qui le font, mais du coup, je trouve que les vlogs sont vides, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, ce qui est magique aussi sur Internet, c'est qu'il y a un bouton pause. Il y a un bouton pause. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y a un bouton pause? Je ne sais pas. Du coup, une vidéo de 30 minutes, vous n'êtes pas obligé de la regarder en une fois. Ça, c'est bien. Ça, c'est la technologie. Alors là, vlog de Noël, c'est cool. Non, la fatigue avec ma fille, j'ai acheté un nouveau sapin l'année dernière et mon chat commence à le manger. Ah oui, je l'avais mis dans le parc. Ouais. Ouais, non, mais je comprends, Flo. En même temps, je me disais, elle est toute petite, elle va pas manger le sapin. J'aime les longues vidéos perso, j'aime les longues vidéos, ça m'occupe pendant mes DP. J'adore regarder trop les vlogs des Noëls d'avant. Mais vous êtes plein à faire ça? Genre, même moi, j'ai pas la foi. Si les seuls vlogs qu'on regarde, c'est souvent pour voir à quoi ressemblait notre sapin de l'année dernière. Donc on regarde le vlog où on ramène le sapin et qu'on le décore. C'est tout. Moi, j'ai pas la foi de regarder. Mais vous êtes beaucoup en attendant à vous retaper les vlogs des autres années. Et vous avez bien du courage parce que moi, je n'ai pas ce courage-là. Bon, en même temps, c'est pas très agréable de se réentendre. Mais ça fait des souvenirs. C'est bien. On aime bien les vidéos longues. C'est juste les gens de passage, oui, mais après, je peux comprendre. C'est en soi, c'est long. Je suis d'accord, c'est long. Mais c'est dur de faire moins, en fait. Hein. Une journée entière, c'est dur. Il y a toujours des râleurs. Oui, bah oui. Mais après, maintenant, je me dis, voilà, vous êtes quand même la plupart à aimer les vidéos longues. Ceux qui n'aiment pas ne regardent pas. Ceux qui aiment regardent et puis c'est tout, quoi. Voilà. Je veux savoir si tu fais des lives pendant les... Oui, il y aura toujours le même planning. C'est pour ça que ça va être un peu un truc de ouf pour moi en décembre. Il y aura toujours le même planning sur Twitch. Il y aura toujours les deux matinales, il y aura toujours les soirées. C'est juste que du coup, moi, tous les soirs, j'aurai les montages à faire pour vous mettre la vidéo le lendemain. Parce que, comme d'habitude, il y aura toujours un jour de décalage. C'est-à-dire que le 1er décembre, vous n'allez pas avoir de vlog. Vous allez avoir le 2, le vlog du 1er, etc. Je suis obligée d'avoir ce jour de décalage parce que déjà, bon, on n'a pas une connexion. Voilà, on n'a pas la fibre. Hein. Et du coup, il me faut le temps de faire le montage, j'ai le temps d'envoyer la vidéo, le temps de faire la miniature, le temps de faire la barre d'infos. Et tout ça, je peux pas, par exemple, je peux pas stopper le vlog à 18h et passer 2-3 heures à faire tout ça. Parce que moi, après, bah, en fin de journée, il y a le repas à faire, Arthur, machin, enfin voilà. C'est pour ça que les soirs où il n'y a pas vlog, je vais passer la soirée à faire les montages. Les soirs où il y a vlog, je ferai les montages qu'après minuit, qu'après les vlogs live, je veux dire. Les soirs où il y aura live. Où il n'y aura pas live, je ferai les montages. Et le soir où il y aura live, je ferai les montages qu'à partir de minuit. Donc je ne suis pas couchée les soirs où il y aura live, mais c'est pas grave. Au niveau de Twitch, rien ne changera en tout cas. Il y aura toujours le même nombre de lives. J'adore tes vidéos qui durent longtemps. C'est comme une petite série qui dure moins longtemps. C'est trop cool. Cette année, je vais commencer Harry Potter ou peut-être Le Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas, je me tâte avec un bon chocolat. Bah, moi, je te conseillerais Harry Potter, bien que j'adore Le Seigneur des Anneaux. Mais tu vas trouver ça peut-être un peu moins long. Donc si tu n'as jamais vu les deux, peut-être commencer par Harry Potter, peut-être. Après, il y en a plus d'Harry Potter, hein. Mais quand je regarde les deux, Harry Potter me paraît un peu moins long à regarder que Le Seigneur des Anneaux. Mais après, les deux, c'est juste pépite, quoi. C'est juste génial. Il faut voir les deux, de toute façon. Olfi, je devais te... Ah non, c'est pas toi que je devais remercier. Ah si, je t'avais remercié déjà la dernière fois. Je devais remercier Tiff59 qui avait pris un sub hors live. Oh, Tiff, je suis désolée, je t'ai oublié. Merci beaucoup Tiff. Et non, Olfi, je t'ai déjà remercié la dernière fois, c'est vrai. Mais Tiff59 qui a pris un sub hors live, merci beaucoup. Tu vois, Olfi, tu me fais penser à ça. Et du coup, Olfi qui nous dit coucou à tous, désolée, je suis un peu en retard. Je fais partie de la team YouTube, c'est une première pour moi. Eh ben, bienvenue à toi. J'ai essayé une fois Harry Potter, j'ai dû 30 minutes, il y a trop de personnages. Non, 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 non. Flo, c'est pas possible. Ah non! Ah non! Non! Mais alors, du coup, tu ne peux pas regarder Game of Thrones, c'est pas possible. Parce que, genre, t'as Harry Potter niveau quantité de personnages, Game of Thrones. Moi, Game of Thrones, au début, les deux, trois premiers épisodes, j'étais paumée, par contre. Hein. Non, Harry Potter, ça va. Harry Potter, ça va.
J'ai jamais vu Seigneur des Anneaux, ça me dirait. Oh là là, c'est tellement bien, tellement bien. T'es tellement ailleurs quand tu regardes ça. La saga du Hobbit est trop bien, effectivement. J'accroche sur aucun des deux. Ah ouais? Oh, je sais pas comment vous faites. Après, chacun ses goûts, bien évidemment. Hein. J'aime les deux séries. J'ai les deux jardins. J'ai déjà regardé plusieurs fois, oui. L'année dernière, j'ai regardé les vlogs de Noël avec Aïssou et quand elle a vu le petit lutin, elle était très émue. Et elle me dit, c'est fou comme elle aime son fils. Oh, c'est très gentil. Et Oli, normalement, revient. Oli, le lutin, revient cette année. Comme Game of Thrones, j'ai l'impression que tout le monde a vu sauf moi. Ah bah, Game of Thrones, c'est la meilleure série, selon moi, du monde entier. Voilà, c'est pour ça que j'ai un tatouage entier sur la cuisse. Game of Thrones. Mais ouais, pour moi, best série, quoi. Après, voilà, c'est les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas, bien évidemment. Mais ouais, Game of Thrones. Ah, c'est vraiment quelque chose à part, quoi. C'est. Voilà, c'est quelque chose qui m'a tenu en haleine pendant 10 ans, à pleurer, à stresser, à crier devant mon écran, à être en transe. Je déteste le Seigneur des Anneaux. Ah ouais? Oh non, mais non. Non, non. Après, oh merde. Regarde, regarde ce que tu me fais faire. C'est à cause de toi, ça. Hein. Après, oui, chacun, voilà. Il en faut pour tous les goûts. C'est pour ça qu'il y a autant de films et de séries. C'est ça l'avantage. Moi, Game of Thrones, je l'ai regardé à chaque fois quand ça sortait. C'est quoi Game of Thrones? Quel genre? Tu as plusieurs. Comment je peux te résumer ça très rapidement? Tu as plusieurs familles qui se battent pour un trône. Je t'ai résumé le truc grosso verdo, mais avec des trahisons, avec. Beaucoup de. Alors, c'est gore, hein, par contre, t'as pas mal de morts, t'as des trucs hyper gore et tout. Voilà. Mais c'est tellement. Enfin, c'est tellement bien, c'est tellement bien. Coucou Calista! Alors, comment vas-tu du coup? Le médecin, il a dit quoi? Oui, il n'y a pas sur Netflix, non, Game of Thrones, j'ai commencé, mais vite arrêté. Ah ouais? À nous, ça nous a tenus pendant 10 ans. Hein. Tous les ans, on attendait que ça, que ça, que ça. Et toutes les semaines, on regardait notre épisode et tout en sous-titré. Enfin, c'est Game of Thrones, quoi. Pour moi, c'est indétrônable. C'est la meilleure série. C'est ma série, quoi. Elle dépasse toutes les séries que j'ai pu voir. Et pourtant, j'en ai vu des très bonnes. J'ai d'autres séries chouchou et tout. Mais Game of Thrones, ça restera Game of Thrones, quoi. Ah, la meilleure série, oui! Game of Thrones, j'ai regardé une fois, tout fini. Deux, trois premiers épisodes, j'ai eu du mal, mais après, comme beaucoup, j'ai plus décroché. Ouais, bah oui. Ah, moi, j'adore Walking Dead aussi, hein. Ouais, c'est The Série, non mais. C'est une série où il y a tout, quoi. Enfin. Ouais, je sais pas quand vous avez une série qui vous a accompagné pendant 10 ans comme ça, que vous attendiez comme le Saint Graal tous les ans, avec des musiques, mais juste. Juste magnifique, des personnages géniaux, une histoire vraiment de ouf, des rebondissements de malade, des trucs que tu n'y attends pas, des trahisons, des. Oh. Puis le fait que tu peux t'attacher à aucun personnage parce que tu sais qu'ils vont tous crever, mais tu le fais quand même parce que c'est une série et que forcément tu t'attaches à des personnages. Donc, ouais, enfin, des designs, des graphismes vraiment géniaux. La musique, enfin, il y a tout, 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 tout. Je trouve qu'il y a tout dans cette série. Par contre, effectivement, bon, il y a beaucoup de personnages. Et pas mal de passages où c'est assez, assez sanglant et assez gore, quoi. Hein. Mais moi, j'adore. Jusqu'à la saison 8 ou 9, je crois. Après, j'ai lâché, ça tournait en rond. Ah, The Walking Dead. Moi, je sais plus, je suis pas à jour. Hein, je suis pas à jour, je me suis arrêtée à la 7 ou 8, je crois aussi. Mais juste par flemme. Je dirais en MP si tu veux. Pas de soucis, pas de soucis, pas de soucis. Et des gouttes pour le nez. Moi, c'est Arya, mon perso préféré. Bah, moi aussi, c'est pour ça que je l'ai en gros sur ma cuisse droite de tatouée pour la vie. Arya Forever. hier, j'ai vu Pirates des Caraïbes. Mais c'est trop bien, Pirates des Caraïbes. T'avais jamais vu non plus, Flo?
Mais Flo, tu vis dans une grotte? Non, je pense pas, hein. Quand même. Trop gore pour moi. Oui, non, mais après, je peux comprendre que ce soit trop gore. Ça, sur ça. Mais les musiques, ouais, les musiques. Moi, je les écoute sur Spotify. J'adore. Pas de soucis, Juliette. Je profite d'être seule, mon boulot, pour te suivre un peu. Coucou, Laurence, bon courage. Ah oui, non, mais je peux comprendre que ça soit trop gore pour certains, hein. Mais moi, il y a tellement. Enfin, c'est tellement plus que juste du gore que. Moi, j'aime pas les films. Par exemple, les films d'horreur gore, là. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Pourtant, Game of Thrones, j'adore parce que c'est pas. Voilà. Non, j'ai jamais vu d'acteur. Non, non, non. Je voudrais regarder cette série, mais où bah, tu peux le soit les acheter, soit télécharger, mais tu peux les acheter sinon. Breaking Bad, Breaking Bad, une des meilleures séries également. Pas la meilleure, parce que pour moi, c'est la meilleure, c'est Game of Thrones. Mais Breaking Bad, c'est une des meilleures. J'ai adoré cette série. C'est Arnaud qui l'avait déjà vue, qui me l'a fait regarder, et je regrette absolument pas. J'adore, j'adore, j'adore. Surtout Johnny Depp, je suis d'accord. Une fille sur Insta a appelé sa fille Arya comme dans la série. Bah nous, c'était un choix aussi. Si jamais, voilà. Ça aurait été Arya également. Non, mais je pense pas à Flo. Breaking Bad, oui, je l'ai déjà vu. Je me la suis déjà fait deux fois. Mais le truc avec les séries que j'adore, c'est que je préfère après espacer le max. À part Kaamelott. Kaamelott, ça, je peux les regarder en boucle parce que je les regarde en fond sonore. Voilà. Ça me dérange pas. Mais les séries comme ça, américaines, vraiment, que j'ai surkiffé de ouf, j'attends de les avoir oubliées. C'est comme Bates Motel, j'attends d'avoir encore oublié. Qu'est-ce que j'ai vu comme ça, que j'ai fini et que j'adorais, mais que j'attends d'avoir oublié plein de trucs pour re-regarder. Il y a eu aussi. Comment ça s'appelle cette série? Merde! Là, ils l'ont mis sur Netflix, là, je crois, ou Disney Plus, je sais plus. Pas Disney Plus, mais comment ça s'appelle? Oui, on a été le voir au cinéma, Flo, j'ai pas aimé du tout. J'ai appelé ma fille Liana comme Liana Stark. C'est beau, Liana, j'aime bien. Breaking Bad, mon copain a commencé la saison 3, je crois, j'ai du mal, mais de temps en temps, je m'y arrête et je comprends qu'on soit. Ah ouais, non, mais c'est trop, trop bien. Noob, et ben Arnaud a regardé, je crois que j'avais vu 2-3 épisodes avec lui, parce que ça me dit quelque chose. Mais moi aussi, c'est rentabilisé de ouf, parce que en fond sonore, avec Twitch, il n'y a que ça qui tourne. Nous, on regarde pas la télé. Donc, du coup, tous ces trucs-là, Netflix, Disney+, et tout, nous, c'est rentabilisé de ouf. Ah, moi, je suis une très, 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 très grande fan de Kaamelott. C'est pour ça qu'Arthur s'appelle Arthur, hein. Donc c'est pour te dire à quel point on a appelé notre fils Arthur pour Arthur Pendragon. On est des très grands fans de Kaamelott. Si on avait eu un deuxième garçon, on l'aurait appelé Alexandre pour Alexandre Astier, parce qu'on adore Alexandre Astier. On est des fans de la première heure de Kaamelott, mais nous n'avons pas spécialement aimé le film. Mais la série, par contre, enfin voilà, je peux la bouffer. Oui, ils vont sortir un spin-off de Game of Thrones avec Matt Smith. Matt Smith, qui est mon docteur préféré dans Doctor Who. Le beau Matt Smith, il est tellement beau ce mec. Voilà. Et je regarderai avec grand plaisir ce spin-off juste pour Matt Smith déjà. Et pour retrouver cette ambiance un petit peu, les musiques et cette ambiance un petit peu Game of Thrones. Pas aimé du tout Kaamelott. Moi j'ai aimé le côté un peu cinéma mélangé à l'humour. Ouais, non, non, j'ai pas le film en tout cas. Pourtant on était très grands fans de la série. Hein. Le film, j'ai pas accroché du tout. Pour moi, ça faisait trop réchauffer, trop fan service en fait. Trop, voilà, on vous remet les mêmes blagues pour les fans de la première heure, machin. J'ai pas aimé. Après, voilà, les musiques étaient très belles parce que forcément, Alexandre Astier est un très bon compositeur, donc les musiques étaient magnifiques. Certaines scènes étaient vraiment très très belles, mais après, il y en a d'autres, genre Bohort avec sa table au milieu de la forêt, what the fuck. Enfin, voilà, des trucs vraiment, tu te dis, mais hein, quoi? Voilà, mais bon, j'ai souri deux fois quand même. Mais je préfère largement la série et j'étais très triste en fait d'être déçue à ce point-là du film, enfin de ne pas avoir aimé. C'est pas de la déception parce que voilà, mais j'étais triste de pas l'avoir aimé parce que je l'attendais et je disais même, hein, c'était un peu une private joke, je disais même depuis toutes ces années où il avait annoncé qu'il allait faire des films, je disais à tout le monde, à tous mes proches, ma famille, je disais.
Bon, bah, du coup, faut pas que je crève. Mon objectif dans la vie est de ne pas mourir avant d'avoir vu la suite de Kaamelott, quoi. C'était un peu ma petite blague, et là, j'étais contente au mois de juillet d'y arriver. Ça y est, j'y étais. J'ai vu la suite, enfin, même s'il y aura d'autres films. Mais j'étais trop contente, en fait. Mais non, ça a fait fuite, souffler. Ah, Squid Game. Une des meilleures séries que j'ai vues depuis très longtemps. Rien à voir avec la série TF1 Good Doctor. Je suis pas fan du tout. Pourtant, j'ai vu l'acteur dans Bates Motel. J'ai pas regardé la série TF1. Comme on regarde pas la télé, j'ai pas regardé du coup. Viking, je pense que je vais regarder aussi. Je l'ai pas vu et c'est prévu aussi. Bates Motel, trop trop bien, trop trop bien. Oh, Sukokuning, merci pour le follow. J'ai pas eu le son, j'ai pas eu la notif, bizarre. Dynastie, j'ai pas vu non plus. Celle que, oui, c'est. Comment elle s'appelle cette série que je voulais vous dire tout à l'heure, comme Bates Motel, que j'ai adoré, mais j'attends d'oublier. Et après, c'est bon, c'est beaucoup moins profond que les séries qu'on parle depuis tout à l'heure, mais c'est. Toute la famille, là, dans le château, avec les trois filles et tout, là. Je l'ai déjà regardé deux fois, je crois. Et j'attends d'oublier pour re-regarder une troisième fois. Oui, il n'y a pas la barre des subs. Comment ça se fait? Mais tout est cassé, il devrait y aller. Attendez. Ah bah la barre des subs devrait être là, mais elle n'est pas là. Oh merde. Je la vois pourtant, sub goal. Il y a marqué qu'elle est affichée, mais elle n'est pas affichée. Downton Abbey, merci beaucoup. Downton Abbey. Qu'est-ce que j'ai aimé cette série. Qu'est-ce que j'ai pu chialer. Mais j'attends de l'oublier, parce que je l'ai déjà vu deux fois, j'attends de l'oublier. J'ai pas aimé la fin de Squid Game. Ah ouais? Oh, mais Ludivine! Moi j'ai adoré. Sinon, bah, pour vous dire, je suis à. Attendez, on va regarder. Si je me mets en blabla, elle apparaît ou pas? Ah non, mais tout est pété en fait. Regardez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même le chat, il apparaît pas. Bah, c'est depuis la coupure de courant. Arnaud, faudra qu'il regarde. Il y a dû avoir. Bah, je peux pas vous dire. 200, on était à 220. J'en ai marre. Tout est cassé. Tout est cassé. Attendez, je peux peut-être vous dire en ouvrant. Mais non, pas ça. Si je vais faire gestion de stream. Ah, mais ça va m'ouvrir le live. 221, on est 221. Voilà. Mon mari n'a pas aimé le côté psycho dans Bates Motel. Ah, moi, c'est ce que j'adore. Moi, c'est ce que j'adore. Faut que je réessaye You. Bah, You, ça y est, moi, j'ai bouffé en 2 jours. La saison 3, elle est sortie le 15. Le 18 au matin, j'avais terminé. Oh, j'adore You. J'adore, j'adore. J'adore un peu tout ce qui est psychopathe et tout. Donc, The Haunting of Hill House, j'ai adoré. J'ai adoré. Once Upon a Time, j'adore aussi. C'est pour ça que. Bah, c'est pas que pour ça, mais j'ai Once Upon a Time. Ici. Oui, Squid Game, je crois que je l'ai. En 2 jours, je l'ai bouffé. Je l'ai regardé en fond sonore. Attendez. Mais non, il me faut pas. Ah si. Je l'ai regardé en fond sonore en faisant autre chose et en 2 jours, elle était terminée. Et en plus, je voulais pas la regarder. Parce que moi, je déteste quand il y a trop de hype autour d'un truc. Ça me donne pas envie de regarder, au contraire. Et là, je me suis dit, bon. On va essayer de passer outre ça pour une fois. Et je ne regrette pas parce que j'ai adoré. Ah, la mère dans Bates Motel. Bah, moi, je trouve que les acteurs jouent hyper bien. C'est glauque, en fait. Bates Motel, il y a cette ambiance un peu. Des fois, tu te dis, il se passe des trucs entre le fils et la mère. Là, des fois, tu te dis, attends, je suis en train de regarder quoi, là? Il se passe quoi, là? Hein? Hein? J'adore. J'ai mangé la saison 3 de You en 2 jours, mais c'était trop bien. Lucifer, je n'ai jamais regardé, ça ne me tente absolument pas. Chronique de Bridgerton, j'attends la saison 2, du coup, c'est ça? Ou la saison 3. Enfin bref, je suis à jour, j'ai regardé aussi. Tu as perdu un sub. Oh bah les subs, Marie-Fraise, les subs, ça s'en va, ça s'en vient. Tous les jours, t'as 4-5 subs qui s'en vont, t'en as d'autres qui reviennent. C'est quand les abonnements arrivent à expiration, il faut renouveler. Si les personnes renouvellent pas, le compteur de subs redescend, en fait. Ça fonctionne comme ça.
C'est mensuel. Donc après, il suffit que les personnes renouvellent pas. Et du coup, le compteur redescend. Mais c'est Twitch, hein, c'est comme ça. C'est le jeu. J'adore l'actrice Bette Motel. Elle joue aussi dans les Conjuring. Oui, j'adore cette actrice et j'adore Conjuring. Mais ça m'a pas fait assez peur, Conjuring. J'ai crié une ou deux fois, mais c'était bien. Je regarde pas Netflix et Disney+, mais mes ados, ils sont plus au courant que moi. Ah oui. Oh, Lucifer, ça me tente pas trop, je vous jure. Moi, je suis pas... Je sais pas. Je sais pas, ça me tente pas trop. Après, il y a pas mal de hype autour, donc je suppose que c'est pas mal, mais... Sweet Girl. Non, je n'ai pas vu Sweet Girl, je connais pas. Oui, j'ai bien avancé. Là, on va pouvoir passer au deuxième carré. Oh, bon, ça va. On aura le temps de faire un deuxième, je pense. Exceptionnellement, comme c'est les vacances, et exceptionnellement aujourd'hui, on peut traîner un petit peu plus d'11h30, jusqu'à midi, grand max, quoi. Voilà. Hop. Hop. Ok. Ensuite, alors attendez, 34, c'était où là? Le 7, le 7. Ah oui, ça va être long, Marie-Fraise, mais après, c'est pas grave, on n'est pas pressé. Genre, la You, une saison 4, je suis pas d'accord. Oh, si, moi, je veux voir la suite. Après, ça aurait pu très bien se terminer là. Là, franchement, ouais. Bon, après, on ne spoile pas, hein, pour ceux qui... Surtout que You, elle est sortie vraiment là, très très récemment, mais genre, la fin, le décor de Paris, un peu, tu sens que c'est pas le vrai Paris, quoi. Ça m'a fait rire, je me suis dit, ouais, c'est le Paris comme les Américains se l'imaginent, quoi. Ça m'a fait un peu rire, quoi. Mais, ah, je suis quand même curieuse. Pas tous, Flo, pas tous. Mais je les ai tous, c'est juste manque de temps, mais non, je les ai pas tous lus. Et moi, les pavés, ça ne me dérange pas, hein. Je lis Outlander, hein. Donc Outlander, 1002, 1003, 1600 pages. Donc non, ça me dérange pas, c'est juste manque de temps quoi, mais... Hello. Quoi, il n'y en a pas beaucoup, je pioche directement dans la boîte, hein, comme ça, hop. Comme ça, j'ai pas à sortir dans la barquette. Ok. Ouais. Les petits plus, les petits plus. Les petits plus. Et sinon, oui, j'aime lire, hein, sinon. J'adore, ça va... Ah non, on voit pas, mais j'ai une, deux, trois bibliothèques pleines à ras bord. Il n'y a même plus de place pour mettre certains livres. Oui, Laurence. Après, moi, je vois plein de personnes faire des toiles d'ac et avec une pose dégueulasse. Hein. Donc, même avec les ronds, ça... Enfin, ça peut aider, mais ça fait pas tout, quoi. Après, moi, c'est les ronds de chez Dac, je les adore. Et là où je n'aime absolument pas les ronds de chez Home Fun, parce qu'en fait, les ronds de chez Home Fun, ils vous font le tour en noir. N'importe quelle couleur, là, vous voyez, c'est pas noir. Le tour, bah, c'est juste la pastille qui est blanche, et le fond, il est de la couleur du diamant. Comme ça, vous voyez, on voit pas le fond. Et on voit pas le rond. Tandis qu'Home Fun, ils font tous les ronds bien noirs foncés. Donc même si vous posez bien, comme les diamants sont un peu parfois taillés avec le cul, vous voyez le rond noir autour des diamants, surtout dans les couleurs les plus claires, et c'est dégueulasse. J'aime pas du tout. Tandis que là, bah là, on voit pas du tout, si on fait la pose droite, on voit pas du tout le rond autour. Ça fait super propre, quoi. Ah bah nous on n'a pas de DVD parce qu'on regarde tout en ligne donc du coup on a moi j'achète quelques Blu-ray quand vraiment là j'attends la sortie de Cruella parce que c'est vraiment le film que de cette année que j'ai adoré et que je regarde en boucle donc du coup je voilà j'achèterai le Blu-ray mais après sinon non, on n'achète plus de DVD surtout les DVD on n'achète plus de DVD et tout quoi. Comme on regarde tout en ligne Twilight pareil moi j'ai adoré 50 nuances je déteste. Test. J'avais acheté le livre et je l'ai revendu direct, je l'ai même pas lu. Maxime Chatham, j'en ai quelques-uns, j'aime beaucoup aussi. Ils ont retiré Bette Motel de... Oui, je crois qu'ils l'ont retiré. Taillé avec le cul.
Coucou à ceux qui arrivent. Ah bah Cruella pour moi c'est le film de cette année quoi. C'est j'ai tellement eu un je sais pas comment vous expliquer en fait ce qui s'est passé quand je l'ai regardé au cinéma, mais il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc et depuis je le regarde. Bah là je l'ai encore réattaqué hier. Bon j'étais fatiguée du coup j'ai pas terminé. Mais j'en suis à 14 fois de Cruella depuis qu'il est sorti au cinéma. Oui je compte, je m'amuse à compter. C'est pas du tout un concours, mais dès que j'ai envie de me le remettre. J'aime tellement tout en fait, j'aime tellement l'ambiance. Je trouve Cruella hyper badass. Hyper, hyper badass. Et j'adore les musiques. Je les écoute sur Spotify en boucle également. J'adore les fringues et tout ce côté un peu mode, alors que moi, la mode, j'en ai rien à secouer. Mais je cherche mon H, attendez. Mais dans ce film, j'adore comment se fringue Emma Stone, enfin, toutes les tenues de Cruella et tout. Enfin, c'est juste parfait. Alors, des coffrets DVD. Alors, Arnaud, il a laissé pas sorcier parce que. Et encore, ça a fait mal au cul. Ça lui a fait mal au cul de se les acheter en DVD, mais c'est parce qu'il n'y a pas tout le camion et tout, là, avec le petit coffret avec le camion, il n'y a pas en Blu-ray. Donc, du coup, il les a pris en DVD, mais en coffret DVD, nous, on n'a plus de DVD hein, à la maison. Ça fait longtemps qu'on n'a plus que des Blu-ray. Passeuse de mots, ça me dit quelque chose. Mais je ne l'ai pas lu. Oui, non, mais pareil, nous, ça fait des années qu'on n'achète plus que des Blu-ray. Et encore, quand on regarde tout en ligne, les Blu-ray, c'est vraiment très rare. C'est quand on veut avoir. Quand c'est un film qu'on a beaucoup aimé et qu'on veut l'avoir vraiment en main, quoi, on va dire. Juste pour la collection, parce qu'au final, comme on les a déjà en ligne, on regarde même pas via le Blu-ray, quoi. C'est vraiment juste pour dire qu'on les a pour la collection, quoi. Bah, Cruella, va falloir patienter ou le télécharger. Mais il faut patienter sinon. Moi, après, comme je l'ai vu au cinéma, on s'est permis de le télécharger pour que je puisse continuer à le regarder à la maison et assouvir ma soif de Cruella, quoi. Mais sinon, je pense que là, il sort. Bah, je crois que c'était fin octobre ou fin novembre en Blu-ray. Et du coup, je pense qu'ils le sortiront dans quelques temps sur Disney+, hein, je pense. Parce qu'il est déjà sur Disney+, mais aux États-Unis. Mais pas en France. Qu'est-ce que j'allais faire? Ah oui, j'allais regarder la sortie. Je voulais le préco, le Blu-ray, et je l'ai pas fait, mais. Cruella. Blu-ray. Elle est où? Il y a le coffret Ultra 4K, machin, le 29 octobre. Ah oui, donc vraiment là, dans ces prochains jours. Pour ceux qui veulent. Bon, ils auraient pu choisir une autre photo pour là, parce que c'est pas une de ses plus belles photos en photo du coffret, mais ouais, le Blu-ray Ultra 4K. Voilà. Pas cher, 27 euros. Enfin, pas cher. On se comprend. Voilà, mais il faut vraiment le regarder. Enfin, tout est génial dans ce film. Il est parfait. L'ambiance, le tout, 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 tout. Est-ce que des fois tu fais des sablés Noël? Oui! Tous les ans, il y a une journée, enfin une après-midi, où on fait sablé de Noël avec Arthur. Souvent, en plus, on vous partage ça dans les vlogs de Noël. Donc, ouais, au moins une fois par an, quoi. J'ai même pas vu le vin, j'ai pas. Ah, ok, vous parlez. Je me suis dit, attends, j'ai pas suivi un truc. Alors, on va attaquer un deuxième petit carré. Donc là, on a fait, ouais. On a fait le bord. Là, on arrive au coussin. Vous voyez le petit coussin sous son bras? Là. Là, à ce niveau-là. On arrive au petit coussin. Voilà. Alors, on va faire jusqu'où? Pas très grand parce qu'après, on n'aura pas le temps de le finir. J'aime bien finir là où il y a des trucs foncés qui s'arrêtent. Allez, on va faire jusque-là. Ça va être un grand carré, mais c'est pas grave. Tac, je sais pas si on aura le temps de le finir. Oh, si, 1 heure. Ouais, quoique, c'est pas dit. Vu qu'on papote plus. Qu'autre chose, mais c'est à ça que servent aussi les matinales. Je vais enlever ma veste. J'ai chaud. Ah, ça va mieux. Ouais, il y a le chauffage dans le bureau, la vache. Alors qu'à côté, il fait 17. Ça va me faire. Je vais choper la crève quand je vais ressortir de l'autre côté avec le choc thermique, quoi. Coucou, Pombo Rose. Alors. Donc là, les plus foncés, c'est les. On va tout de suite les mettre comme ça me délimite mon bord. Oh!
Danny Chapop qui donne 100 bits. Mais pourquoi j'ai plus les sons des notifs? Tout est pété, tout est pété. J'ai plus le son des notifs, il n'y a plus le... Il n'y a plus le... la barre de sub, y a... tout est pété. Merci Danny Chapop. C'est parce que j'ai vu la notif, mais j'ai plus le son. Pourtant, j'ai du son dans mon casque. Ah, mais attendez. Non, il est allumé. Je sais pas ce qui se passe. Tout est cassé. Bon, faut je pense à lire du coup le côté s'il y a des notifs qui arrivent. Parce que j'ai plus de son. Sniff. Alors que ça marchait avant la coupure de courant, mais que voulez-vous? Tout sera réparé. Hein. Il y aura la barre de sub qui va revenir. Voilà. En tout cas, merci pour les 100 bits. Ah bah oui, il n'y a plus les notifs. Les notifs se mettent plus, même pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que moi qui n'a plus le son. C'est quoi ce pins? Pourtant, tout fonctionnait avant la coupure de courant. Mais oui, c'est vrai que vous aussi, vous avez pas. Attendez, c'est bizarre cette histoire. Si je fais rejouer. Ah non, ça marche plus. Mais je pense que là, en live, ça va être. Non, non, mais je peux pas relancer. Je veux pas recouper juste pour ça. Non, non, je relance pas. On verra. Ça sera réglé pour le live de demain soir. Mais là, je vais pas couper et relancer le live juste parce qu'on a plus les notifs. Non, 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 non. Ouais, je sais, ouais, je viens de voir du coup. Mais pour régler ça, il faudra que je. Enfin, faudrait tout couper et tout relancer. Donc, je vais pas le faire. Enfin, je vais pas tout recouper là alors que ça a déjà coupé ce matin. Enfin, je vais pas vous embêter. Je vais pas vous embêter avec ça, quoi. Mais ouais, c'est bizarre. Attendez, je vais quand même envoyer un message à l'homme. Il est à côté, mais. Je vais l'appeler, je vais l'appeler. Mais à mon avis, oui, à mon avis, faut éteindre, enfin, faut couper pour tout remettre. Donc, oui, vous me voyez encore et vous voyez le DP. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Attendez. J'appelle l'homme. Tu sais que j'ai un souci. Après, je pense qu'on peut pas régler ça en live, mais. Depuis la coupure de courant, j'ai pu. Tout Twitch est cassé. Voilà. Tu m'entends? Ah, y a plus. C'est-à-dire que les alertes ne fonctionnent plus, ils apparaissent pas, moi j'ai pas de son. Il n'y a plus, y a plus la barre de sub, enfin il n'y a plus rien. Attention, attention, tout le monde demande est-ce que tu sois pas en slip, attention. Regarde, c'est-à-dire que là par exemple, Danny Chapop a donné 100 bits, il n'y a plus rien. Moi j'ai pas entendu, il n'y a plus de notif. Attends, attends, là il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a même plus la barre de... Il n'y a plus rien depuis la coupure de courant. On te dit bonjour, slip bleu coucou. Voilà, donc je suppose que c'est pas possible de régler ça là pendant qu'on est en live sans couper. Non mais tu peux regarder, tout est bien. Hein. J'ai... Bonjour. Bonjour. Hey. Relou. C'est pas moi, c'est la coupure. Attends. Coucou Arnaud. Marie-Fraise a dit coucou Arnaud. Là, il est sorti de sa caverne, là. Ça se passe bien. Les mammouths et tout, ça va, ça chasse bien. Ça tient chaud, tiens, ça va? On va vomir avec les changements de vue. Fermez les yeux! Tout le monde ferme les yeux! Tout va bien se passer. Un ours en slip bleu. Tu sais pas?
Attendons. Bon, je pose. Je sais pas ce que vous voyez là. Je pose quelques diamants. Parce que sinon, demain, on y est encore. Moi, j'ai une double vue. Alors, je sais pas vous laquelle vue vous avez, mais. Voilà, on va poser quelques diamants. Histoire 2, on fait genre. Arthur? Il est où? La chambre. Ah, je voulais un mammouth, j'ai trouvé qu'un chien. Ah! Imote mammouth. Ah, vous voyez comme d'habitude, ok. Parce que moi là, comme il est en train de tout bidouiller, je vois rien du tout, mais je continue. Ah, c'est toi le son? Tu l'as entendu dans ton casque? Non. Bon bah alors. Danisha Pop, je l'achète sur Amazon. La colle vernis Cléopâtre blanche là sur Amazon. Après, tu peux la trouver ailleurs, je pense. Moi, hein. Bon, c'est parce que c'est le plus simple, étant donné qu'on a la campagne. Alors. Lalana. T'as reçu un message du livreur pour HelloFresh? Non? Et puisqu'on a repris HelloFresh, comme j'en ai marre de chercher des idées, Ça va peut-être couper. Je sais pas s'ils sont là. Non, non, ça n'a pas coupé. Je pense pas. On vous voit plus, mais ça n'a pas coupé. Oui, on a repris HelloFresh. Tu te connectes. Oh, mais je sais plus, moi, Bah, mes tu te connectes quand identifiants. même. Oh là là. Parce que j'en avais marre de trouver des idées, du coup, voilà. Alors, attends. Mon mot de passe, je sais plus. Oh. Attendez, hein. Faut que je me connecte à un truc. Je suis sûre que c'est pas ça. Ton SMS. SMS. Je sais pas si vous me voyez encore, mais moi je vois plus rien. Ni le chat, ni rien. Nanana. Voilà. Ah, je me revois. Toujours là. Moi, je voyais plus rien. On n'a pas bougé. Ça va alors. Ah, j'ai entendu. Continuons, continuons. Tilali, lalali, lalalou. Oui, donc voilà, on a repris HelloFresh. On avait été abonné pendant tout le printemps, je crois. On avait arrêté il y a quelques semaines. Et là, bah, j'avais envie de reprendre. Donc on a réactivé l'abonnement. Voilà. Voilà, voilà. J'ai vu que là en ce moment ils font masse partenariat avec des youtubeuses et youtubeurs. Enfin, je vois plus de nanas forcément. Je sais pas. Tu sais pas? Ça marche pas? Ah merde. Oui, le vernis colle. Cléopâtre, c'est pour encoller les toiles et tout. Bon, bah pour l'instant ça marche pas. Mais ça sera réglé pour demain soir. Je sais pas, ça dépend. Ça dépend. Mais ça sera réglé pour Ça demain soir. dépend. Mais si, ça sera réglé. Sur le site HelloFresh Belgique, on peut retrouver toutes les recettes. Si vous ne voulez pas commander, mais avoir des idées, c'est cool. Ok. Ouais, non, mais là, ça sera pas réglé pour ce live-là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est encore une petite heure en live. Pour la prochaine fois, enfin, pour demain soir, ça sera réglé. Ça dépend de monsieur Cible. Oui, tu en mets après avoir fini. Oui, c'est pour encore. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est vrai que c'est plus. C'est plus. C'est plus. C'est plus plus. C'est plus sûr, quoi, on va dire.
Oh là! Attention, rappelez-vous ce qui s'est passé quand on a commencé à bâiller lors de la dernière matinale. Attention. Les bâillements peuvent être dangereux. Ça peut faire ramener un mec en slip. Il faut se méfier. Alors. Hop. Ah non, mais ça y est. Ça va pas recommencer quand même. Ça, c'est le coup de barre d'11h. J'ai toujours un petit coup de barre à 11h comme ça. 11h et 14h. C'est un peu mes heures coup de barre. Ça fait bizarre dit comme ça, mais c'est vrai. Attendez, je vais lui demander un café. Vous croyez qu'il va m'envoyer chier ou pas? Je vais l'appeler. Ça sonne. Ouais, je prends des risques. Cunégonde, merci pour le follow. Est-ce que tu me ferais pas un petit café? J'ai ma tasse vers moi, s'il te plaît. Merci. Il a raccroché. Mais de toute façon, pour quel truc il ne râle pas, j'ai envie de dire. Merci Cunégonde. Le mec décroche, il entend Cunégonde, merci pour le follow. Non mais, le truc, Luna, c'est qu'on a THE machine à café. Genre le truc de ouf qui te grain, qui te moule le grain et tout, enfin voilà. Mais elle est dans la cuisine, quoi. Mais ouais, comme j'ai dit, je vais investir dans une petite Tassimo, un truc pas cher, que je vais mettre sur le bureau. Alors faudra re-remplir le réservoir d'eau. Mais bon, une fois que tu l'as rempli, t'es tranquille pendant quelques cafés, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, c'est que... Non, mais bon, il y a les hommes qui râlent, et il y a Arnaud, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur autre chose. Mais voilà, c'est comme ça. Je sais plus la marque Flo. On a vraiment pris un truc top, top, top. Je crois qu'elle est à 700 balles, donc c'est un peu abusus. Mais au moins, enfin nous qui sommes fans de café, le café est juste trop bon, quoi. Mais oui, je crois que c'est une marque italienne. Ah, t'as fini ton grand carré, c'est cool. Là, nous, on va essayer de finir celui-là, mais ça va être un peu tendu du slip. Oula, le micro. Vous savez que tant qu'il vient pas chercher ça, ça veut dire que c'est mort. Dans 2 minutes, je rappelle. Et on va se marier. Non, attendez, attendez. Je rappelle maintenant. Je vais lui dire, parce qu'il m'a raccroché au nez, je vais lui dire, je crois qu'on a été coupé. Oh la chance, coucou. Moi, il a pas besoin de me demander, je lui fais tout de suite. Sans qu'il me demande. Je crois qu'on a été coupé. Est-ce que non, 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 non. Mon amour, on a été coupé, le réseau est pas top depuis la coupure de courant, j'ai l'impression. Magne-toi. Merci. Les filles dans le chat, elles disent qu'elles, elles ont pas besoin de quémander et tout, que les chéris font tout seuls. Comment ça se fait alors? Tu demandes le numéro de leur chéri. Est-ce que je peux avoir le numéro de vos chéris, s'il vous plaît? J'arrive pas à rester sérieuse. Je peux pas, je sais pas faire ça. Alors, menu, faut que je demande à Arnaud quand il va revenir. J'ai plus le nom en tête. Ouais, j'ai le goût du risque un peu, hein, mais écoutez. Non, mais je vais investir. Je vais investir, franchement. On va faire une barre de donation machine à café. Non, mais je crois que les Tassimo, les petits trucs comme ça. Alors bon, ça vaut pas le café en grain quand on aime vraiment le vrai café. Mais écoutez, pour les lives, ça peut faire l'affaire, hein. Mais je crois que c'est pas cher du tout ces trucs-là. Oh la chance du café gratuit!
Oh, la chance. Oui, Marie-Fraise, c'est ça. C'est que Arnaud est un très grand râleur, mais il fait tout le temps quand même. Voilà. Mais c'est chiant en fait. Parce que moi, par exemple, il se met à son bureau le matin. Et ben, il me demande même pas. Je lui demande même pas est-ce que tu veux un café. Je vais lui faire et je lui amène. Voilà. Et moi, j'aimerais bien que ça soit comme ça des fois. Mais bon. Ça marche pas. Dans l'autre sens, ça marche pas. C'est bizarre. Tire 50. Oh! Maïwenn! On n'a pas le son, mais merci pour la future machine. Merci beaucoup pour les 50 bits. 50 bits, c'est 50 centimes hein, pour ceux qui connaissent pas. Mais c'est une petite pierre à l'édifice de la machine. Merci Maïwenn, c'est très gentil. ouais, je pense qu'on va regarder ça. Franchement, je vous jure, mais je sais lui, même si il est comme moi qui préfère le vrai café entre guillemets, comme elle va être dans le bureau, il va vouloir la squatter tout le temps. Je le connais. Non, c'est très bien, Maïwenn. C'est très très bien, c'est très gentil, merci. Achète une espresso et achète du café. Illy, tu vas kiffer. Ok, je note. J'ai une scène CO en rab. Non, 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 mais vous. Lily, c'est très gentil, c'est trop gentil. C'est trop gentil. Non, non, non. Mais oui, je sais pas combien ça vaut ce genre de petite machine maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu une, mais. Philips Lore Barista, on l'a eu à 60. Ouais, je crois que c'est pas trop trop cher maintenant ces trucs-là. Soixante balles, ouais. Je crois que ça vaut pas grand-chose entre guillemets, quoi. Tac. Faudra que je regarde ça. C'est vrai que ce serait pratique pour les soirées live ou même pour le futur live 12h, ça serait bien. Mon amour, c'est quoi la marque de notre machine à café? Bah tu le savais. Crêpes, je sais plus quoi, évident. Krups, Evidence, je sais pas quoi. Merci mon amour. Krups, oui c'est Krups, c'est la marque Krups, Evidence, je sais plus quoi. Elle est un peu chromée, noire et chrome. Oui, normalement, DAC fait le Black Friday, c'est pour ça qu'on est tous en train de croiser les doigts pour qu'ils aient mis la TVA payable à la commande avant le Black Friday. Ça serait bien. Coucou Tiff! Tiff! Je t'ai remercié tout à l'heure pour ton sub hors live! Mais du coup, tu n'étais pas encore là. Eh ben, je te remercie de vive voix, Tiff, maintenant que je te vois et que tu es là. Merci pour ton sub que tu as pris hors live. Ah bah mais là c'est pas une expresso Krups, hein. Krups hein, c'est Krups Evidence. On l'avait eu à 700 balles, mais elle a dû baisser, hein. Elle a dû baisser. On l'avait prise sur Maxi Coffee, ce site-là j'aime bien. C'est une machine où on met des grains de café quoi. Et elle broie les grains de café et tout et tout et tout et tout. Machine à café grain. Je vais vous dire, je vais retourner sur le site. Enfin, je sais pas si elle y est encore, hein, mais. Si, Krups Evidence. Mais c'est pas une blanche. Nous, c'était une chrome. Argentée et noire, quoi. Et le. Bah après, ça dépend le café que vous choisissez. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont bien fans du café comme nous, on sent la différence avec les petits cafés là en capsule. Qui font bien l'affaire. Hein, mais je veux dire, voilà. Entre ça et du café vraiment en grains qui est. Moulu, on sent vraiment la différence. On a la même machine, c'est trop bon. Mais oui. Je sais plus quand c'est les Black Friday. C'est pas genre le dernier week-end d'octobre ou le premier week-end de novembre, je sais jamais. Ouais, je pense que c'est pareil, Maouen, c'est pour tout le monde pareil. Là, il y a que les États-Unis et tout, où c'est géré. Mais là, on est tous en train d'attendre. Je pense que la Suisse, c'est pareil que pour la France. Ah, c'est gentil, Tiff, merci beaucoup. Non, elle n'est pas à 999. Je sais que quand on l'a achetée il y a un peu plus d'un an, ou un peu moins d'un an, peut-être, je sais plus. Elle était à 700 balles, je crois. Ah, ouais, il y en a des chers, genre 1500 balles. Déjà, nous, quand Arnaud m'a dit, tiens, on va prendre ça, je fais, ah bon? Ah bon? Ouais, je sais plus. Elle a dû baisser un peu, je pense, mais.
Bah, je viens de voir quasi la même en blanche à 500. Donc elle a dû baisser un peu. Nous, elle n'était pas blanche, mais. Ah, le 11-11. Merci, Maïwen. Le 11. Ah oui, c'est vrai que c'est le 11-11. Dernier jeudi de novembre. Ah, on me dit le 11-11. Alors attendez, je vais continuer un peu quand même le DP. Hein. Alors. Ah non, j'avais déjà terminé. Oh là là, je suis à l'ouest. En tout cas, merci hein, d'être là ce matin. Vous savez à quel point j'adore bah, déjà les lives, mais à quel point j'adore les matinales. Donc, merci beaucoup. Le 26, ok. C'est un truc sur AliExpress, le 11-11. Ah oui, AliExpress, ils font toujours un truc de vente, je sais pas quoi. C'est bien le 26, ok. Bon, normalement. Ah ben, j'avais encore un marron sur le bout du stylet. Diamantaire Club, hein, aux dernières nouvelles, ils avaient dit pour le 1er novembre maximum, la TVA sera payable à la commande. Patientons, patientons. Parce qu'honnêtement, je préfère payer la TVA à la commande, mais au moins être sûr ou quasi sûr de ne pas avoir de frais de douane, quoi. Donc, patientons. J'ai hâte. Et vous savez que dans à peu près 15 jours, hein, enfin, à peu près mi-novembre, apparemment, ils vont sortir toute une collection de DP Harry Potter. Voilà, donc je suis juste en train de croiser les fesses très très fort, genre des fesses en béton, pour que la TVA soit mise en place d'ici là, parce que je vais pas toutes les prendre, hein, les toiles, mais si vraiment j'ai un ou deux coups de cœur sur des toiles Harry Potter Diamantaire Club, enfin, ça serait vraiment le pied, quoi, hein, franchement, le rêve. La fête des célibataires le 11. Ah ouais? Coucou, j'adore tes lives, mais j'arrive pas à suivre et j'essaie de rattraper tes lives sur les Sims. Ben, Sabrina, l'avantage des lives, c'est que c'est qu'après. Enfin, moi, par exemple, je suis plein plein de gens sur Twitch et je sais que je peux pas regarder tous les lives. Donc, des fois, ben, je regarde en replay, puis si je vois pas en replay, ben, c'est pas très très grave. J'essaie de pas louper le prochain live. Enfin, les lives, il faut pas vous mettre une pression de fou, hein. Si vous loupez, c'est pas très très grave. Moi, je serai toujours là. Il y en a même qui m'ont dit, est-ce que je peux en faire moins des lives parce qu'ils n'ont pas le temps de re-regarder les replays, mais je peux pas parce que moi, comme j'ai arrêté la boutique, vous savez, pour me lancer sur YouTube et sur Twitch, c'est comme un métier, entre guillemets, et je peux pas moins travailler, entre guillemets. Hein. Je mets des gros gros guillemets, attention. Parce qu'il faut que certaines personnes rattrapent des lives ou des replays. Donc après, quand vous avez le temps, vous êtes là. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas très très grave. Je sais que certains aimeraient ne rien louper, mais on a tous une vie et je comprends que tout le monde ne peut pas être là le matin, le soir, 5 fois par semaine. Enfin voilà. Léa, ça, pour ceux qui ont des frais de douane avec AliExpress, c'est la plupart du temps les vendeurs qui te disent oui, on déclare la TVA et en fait ne le font pas ou ne le font pas correctement. Du coup, bah toi, à la réception, tu te ramasses des frais de douane parce que le vendeur, soit n'a pas du tout fait la déclaration de la TVA de son côté, soit l'a fait avec le cul et du coup, tu te ramasses des frais de douane. Voilà. Après, en sachant qu'un colis pour lequel vous avez payé la TVA peut très bien se faire gauler par la douane. Normalement, c'est très rare. Normalement, ça n'arrive pas, mais ça peut arriver que vous ayez des frais de douane sur un colis où vous avez payé la TVA. Mais attention, c'est très 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 rare. Voilà. Mais là, le AliExpress, là, qu'il y a pas mal de personnes qui se font avoir avec des frais de douane, c'est juste, enfin, ça vient des vendeurs en fait. C'est les vendeurs qui font pas la déclaration ou qui ne la font pas bien. Je te suis niveau DP depuis un moment, mais j'ai découvert que tu faisais des vidéos Sims. J'adore ce jeu, j'ai tous les add-ons et du coup je regarde toutes les vidéos de Marie de Lagrange pour rattraper mon retard. Je les regarde, enfin surtout écoute quand je fais du DP. Bah oui, ce qui est bien avec les lives, c'est que moi c'est ce que je fais moi-même avec toutes les personnes que je. Enfin les quelques personnes que je regarde sur Twitch, c'est que c'est un fond sonore, je fais autre chose en même temps, soit je fais du DP, soit je fais du montage vidéo, ou bref, c'est un fond sonore. Donc, je fais toujours quelque chose d'autre en même temps. Soit je suis en cuisine, soit voilà. Attendez, parce que là, alors déjà, il y a un cheveu.
Ou un poil, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Bah, vu la taille, ça doit être un cheveu. Je l'ai ou je l'ai pas? Je ne sais pas. Puis là, il y a un autre. Ah! Attention. Voilà. Puis là, il y a encore un autre truc. Bon, ça arrive. Hop! J'étais où? Les 4. Ok. J'essaie de pas trop me déconcentrer quand même. Ouais. Je suis tes vlogs de Noël depuis des années, c'est cool de te voir par ici. Ben, coucou Sandra. Il y aura encore des vlogs de Noël cette année. À moins d'un souci, ça sera comme ça tous les ans. Donc du coup, voilà, ça va être bien cool. J'ai encore hâte de partager mes journées avec vous, de voilà, d'essayer de vous faire rentrer doucement dans l'ambiance de Noël. J'ai bien bien hâte. Tac. Ah non, mais moi je suis nulle en construction, Sabrina. C'est pas dans mes lives que t'apprendras des astuces en construction. Je suis une quiche. D'ailleurs, quand j'ai regardé la pré-vidéo, je me suis demandé si tu savais qu'on pouvait enregistrer jusqu'à 5 tenues par tenue. On me l'a dit il y a quelques semaines. Je ne le savais pas, mais on me l'a dit il y a quelques semaines. Pour jouer au jeu sur PC, il faut un ordinateur spécial pour pouvoir y jouer. Ben, ça dépend les jeux, mais il faut un ordinateur assez pas mal. Enfin. Si tu veux pas streamer, que tu veux faire que jouer, il faut quand même un ordinateur... Bon, après, ça dépend du jeu. Mais il faut un ordinateur pas mal qui puisse faire tourner les jeux. Si tu veux streamer et jouer en même temps, il faut un ordinateur encore mieux et une bonne connexion, Internet surtout, pour pouvoir faire des streams en même temps que tu joues. Mais après, ça dépend du jeu. Ça dépend vraiment des jeux. J'ai Animal Crossing, j'ai la Switch Animal Crossing et tout. Mais ça fait des mois que je l'ai pas allumé. Honte à moi. Ouais, j'ai pris Daman, comme tous les ans, Cathy. Et après, je suis en hésitation sur... j'en prends toujours un autre à côté. Je suis en hésitation sur celui que je vais prendre à côté du Daman. On verra, on verra. Ok, 4. Là, c'est bon, là, c'est bon. Là. Hop. Il fait vraiment tout gris dehors. C'est pour ça que j'ai dû allumer et que vous voyez beaucoup de lumière du côté droit et que du coup je fais de l'ombre avec ma main, mais j'ai pas trop le choix aujourd'hui. Il n'y a pas du tout de soleil, il fait tout gris. C'est vraiment un temps d'automne. Bon, moi j'adore, hein, mais niveau luminosité pour les lives, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais écoutez, de toute façon, là tout l'hiver, on va devoir faire avec, à moins qu'il y ait des beaux jours de soleil et tout. Mais comme il va faire pas mal sombre et tout le matin quand on fera des matinales. Tu ne veux plus de calendrier pop? Alors non, je vais pas en prendre, Fanny, cette année, parce que tout ce qui est Harry Potter et tout, c'est les mêmes pop qui te remettent à chaque fois. T'en as que 3-4 de nouvelles et du coup, après moi je sais plus quoi en faire si t'as des doubles, des triples. Donc non, pas de calendrier pop cette année pour moi. Peut-être que Arthur, apparemment ils vont en sortir un Pokémon. Peut-être qu'on le prendra pour Arthur parce qu'il est à fond dans les Pokémon. Mais pas pour moi cette année. Je vais essayer de changer un petit peu. J'ai pris calendrier Dégustabox car Harry Potter, j'en ai trop. Ouais, non mais moi, en plus Harry Potter, le problème c'est ça, c'est que l'année dernière, je l'ai déjà pas pris, je crois. J'avais pris le Mr. Jack l'année dernière qui était très bien. Et le Harry Potter, j'ai fait exprès de pas le prendre. Et en fait, tous ceux qui ont craqué m'ont dit « Putain, t'as bien fait de pas le prendre parce que c'était que des doublons. » Il y avait vraiment que 2, 3, enfin 3, 4 on va dire, pop... qui n'étaient pas identiques à ceux du calendrier de l'année d'avant. Donc du coup, je regrette encore moins de ne pas avoir pris le pop Harry Potter l'année dernière. Surtout que c'est des calendriers assez coûteux quand même. Donc moi, j'ai pas de partenariat, donc j'étais bien contente l'année dernière de ne pas avoir pris... C'est clair, j'ai tout en triple. Ouais, bah tu vois, c'est bien ce qu'on m'a dit, hein, Cathy. Party light cette année, ok. Tu fais toujours du colo ou tu as complètement arrêté? Alors c'est pas que j'ai arrêté entre guillemets. Enfin si, j'ai arrêté, mais pas
Voilà, c'est comme tu dis, c'est pas facile de faire tous les loisirs. Là, ça fait une bonne année que je suis à fond dans le DP et pour l'instant, je me lasse pas. J'ai pas envie de. Je sais que c'est par période, moi, c'est ça le truc. Et pour l'instant, bon, bah écoutez, j'arrive pas à me défaire du DP. Ce qui n'est pas négatif en soi, mais c'est-à-dire qu'à côté, j'ai pas. En fait, là, à choisir, depuis un an, je préfère me poser des heures devant un DP que devant un colo. Donc, mais ça changera peut-être. Ça changera peut-être, mais pour l'instant. Je suis mes envies en fait. Après, je pourrais, c'est vrai que je pourrais vous proposer de faire du colo et tout, mais ça serait aller contre mes envies et me forcer. En fait, si je faisais ça, je me forcerais à faire du colo pour, bah, pour vous entre guillemets. Alors bon, ça serait cool, mais je le ferais pas avec envie et du coup, je le ferais pas aussi bien et avec autant de plaisir que si je me forçais pas. Là, c'est vrai que je suis à fond dans le DP, donc je vous fais ça. Mais peut-être qu'un jour, il y aura des live colo, ce qui est possible, hein. Mais bon. Pour l'instant, non, je suis mes envies, je me force pas, je me prends pas la tête. Voilà. Il faudrait suggérer de faire un calendrier Pop Camelot, ça serait trop bien. Ah oui, après tu peux offrir tes doublons et tout, mais moi j'avoue que pour le prix, moi il n'y a personne qui aime Harry Potter dans mon entourage, donc, enfin, j'ai, ouais, non, je préfère voir pour prendre un autre. Un autre cette année. On va voir. Ouais, Sabrina, après, pour moi, niveau colo, je trouve qu'il y a. Ouais. Il y a moins de préparation que pour le DP. Je trouve le DP, quand tu dois préparer ta toile et tout, bon, tu le fais qu'une fois, mais c'est assez long. Le colo, t'as juste à sortir ton cahier, tes crayons, quoi, au final. Donc, c'est pas non plus. Les deux, je pense, c'est kiff-kiff niveau matos ou préparation. Mais c'est plus. Ouais, je sais pas, c'est juste que je suis à fond dans le DP, quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est devenu une passion. Réellement. Mais écoutez, c'est cool. Moi, j'aime bien. Pour mes cartes actions, j'ai juste investi dans la pâte à fixe et c'est très bien. Ben oui, c'est très bien. J'ai été à la Fnac et on fait. Ils ont fait plein de nouveautés, jeux de société ou même les livres. Ah ouais? Merci pour tes petits lives, c'est vraiment une ambiance sympa sans prise de tête. Merci Miss Framboisette. J'adore ton pseudo. C'est très gentil. Et mais je suis comme ça dans la vraie vie. Hein. C'est-à-dire que réellement, vous me voyez dans les lives là. Et encore ce matin, j'ai fait l'effort de mettre un petit peu de crayon bleu, attention. Non, mais vous me voyez dans les lives comme je suis dans la vraie vie, avec les mêmes expressions, les mêmes. Je suis pareil. Je suis pareil. Voilà. Et les vlogs de Noël, c'est exactement pareil. Vous partagez des bouts de notre journée avec nous et c'est des vrais bouts de journée. C'est-à-dire que c'est des journées où il se passe rien. Où, voilà. On va pas faire des sorties juste pour les vlogs ou on va pas. Là, voilà, je vais pas mettre des trucs décolletés, les boobs à l'air, machin. Enfin, c'est des petits lives. Je suis comme je suis dans la vraie vie. Et sur ça, je ne changerai jamais, même si un jour j'ai 10 000 abonnés, imaginons, sur Twitch ou quoi que ce soit. Je pense pas, mais bon, imaginons. Je ne changerai pour rien au monde. Vraiment. J'adore le DP, mais j'ai peur pour les stocker aussi parce qu'on ne peut pas tout accrocher. Bah après, si tu prends des petits comme. Enfin, des petits comme moi, je prends pas que des petits, mais si tu prends des 30-40, voire un tout petit peu plus, tu fais comme moi, tu t'achètes un gros carnet de croquis, il en faut des gros, 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 et tu les colles dedans comme un album photo. Comme ça, après, tu peux les feuilleter, tu peux les regarder. Alors, tu peux en offrir aussi au début, puis après, tu peux les stocker dans un gros, gros album de croquis, et du coup. Quand t'as envie de re-regarder, tu re-regardes ça comme si tu regardais un album de coloriage, et puis voilà. Moi, c'est ce que j'aime les gens vrais. C'est très gentil. Mais moi aussi, hein, je regarde peu de personnes sur YouTube ou Twitch, et c'est que des gens pas qui me ressemblent, parce que moi, je me trouve un peu fofolle, et voilà, mais c'est des gens vraiment simples, quoi. Je suis pas, quasiment pas de youtubeuse, machin. Bah, toutes les youtubeuses connues, enfin voilà, moi je. C'est tellement loin de ce que je suis que. Non. Tech.
J'ai pris un carton à dessin, 50-70, et ça bouge pas. Ouais, après un carton, le truc, c'est que. Bah, c'est bien. Non, mais c'est très très bien pour les stocker. Mais le carton, c'est juste une pochette. Tandis que là, l'album, l'avantage, c'est que tu peux les coller dedans, l'album de croquis, puis tu peux tourner les pages comme un album photo. C'est pas juste un endroit où tu les entasses. Là, tu peux vraiment les re-regarder et tout, tourner les pages, machin. Après, un carton à dessin, c'est très bien si tu veux juste les stocker sans pouvoir les montrer ou les regarder comme tu veux. J'aimerais bien te rencontrer en vrai depuis le temps que je te suis. Ça me ferait vraiment plaisir. Mais j'aimerais bien, moi. Ouais, l'étoile d'Ac, c'est une tuerie, on est d'accord. J'aimerais bien faire une espèce de petite rencontre, mais le problème, c'est que déjà, d'une, je suis timide. J'habite à la campagne, donc il faudrait se déplacer dans une grande ville. Et il faudrait qu'on soit pas beaucoup parce que Covid, parce que timidité, parce que faudrait que ça soit vraiment un tout petit truc. Mais j'aimerais bien. J'aimerais bien aussi. Même si là, on dirait pas, hein, mais je suis quand même timide. Hein. Je crois que j'arrive à bien le cacher en public, mais je suis quand même timide. En vrai, je suis très timide, très très timide, Flo. Faut pas croire, hein. C'est pas parce que on est sur internet qu'on n'est pas timide. Hein. C'est-à-dire que j'ai déjà croisé des gens, on m'a déjà croisé en course. En course, on m'a déjà dit, hé, crève fais-moi gourmandise. Oui, je faisais mes courses à inter. Tu sais, t'es au papier cul, crève fais-moi gourmandise, c'est toi? Oui. Mais genre rouge d'un coup et j'ai du mal à parler, je bégaye, enfin c'est horrible, horrible, horrible. Dans des salons aussi, quand on allait à la Japan Expo et tout, on m'a déjà reconnu, on a déjà demandé des photos, non mais. Et je suis à chaque fois, mais oh, rouge anus, comme j'aime bien dire. C'est horrible. Après, ça me fait plaisir de voir des gens qui me disent oh, j'adore et tout, nanana, reste comme tu es. Ça me fait trop plaisir. Mais à chaque fois, je suis, mais dans un état pas possible, quoi, en fait. Je suis, ouais, je bégaye, je suis pas bien, mais ça me fait plaisir, mais voilà, la timidité prend le dessus et je bégaye fort, voilà. Tous à Disney, ah ouais, ça serait bien, mais le truc c'est qu'à Disney, ou alors, faudrait aller au Disney Village, mais même Disney Village, ça fait payer le parking à ceux qui n'ont pas le pass ou ceux qui viennent pas en transport. Faudrait un lieu où on ne paye pas le lieu déjà. Mais ouais, faut pas croire, mais je suis très timide. Là, c'est parce qu'il y a la distance, du coup, je me rends pas forcément compte, machin. Mais j'aime les lives des personnes nature. Et d'ailleurs, quand je fais des lives crochets ou papotage lecture, je suis souvent en pyjama ou de jogging. Ouais, Disney Village, mais le truc Disney Village, comme je dis, c'est que faut soit payer le parking pour ceux qui viennent en voiture et qui n'ont pas le pass, ou soit venir en transport. Mais non, je sais pas, on réfléchira, mais peut-être au printemps ou quand les beaux jours vont revenir, qu'il fera moins froid, peut-être se voir et boire un café ensemble. Ou... Après, où, je ne sais pas. Le problème, c'est que vous êtes des quatre coins de la France, donc et d'ailleurs même. Donc après, je sais que tout le monde ne pourrait pas être là et il faudra faire des choix. C'est compliqué. J'aime pas rendre triste certaines personnes parce qu'il faudra faire des choix de lieu. Donc on verra. On verra, mais ouais, ça serait cool. Ça serait trop cool. Bon, par contre, je vous le dis, ça serait vraiment un moment sans prise de tête, hein. C'est-à-dire que je ne veux pas venir pimper de la tête aux pieds. Je vais venir comme d'habitude. Voilà. Simple. Tac. On va pas tarder à se laisser déjà. Ça passe vite. Ça passe très très vite, les matinales. Je sais pas si j'aurai le temps de finir mon carré. Hein. J'ai vu un peu grand pour celui-là, c'est vrai qu'il était plus grand que l'autre. Puis avec la coupure de courant, les petits soucis de tout à l'heure. On n'a pas été aidés ce matin, mais bon. Les aléas du direct, hein, comme on dit. Alors, tic-tac-tac. Hop. Bah ouais, ça passe vite, Calista. Et encore là, je me permets de papoter un tout petit peu plus longtemps qu'11h30 parce que c'est les vacances et qu'il n'y a pas Arthur à aller chercher à l'école. Mais c'est vrai que ça passe super vite. Hein. Ça passe super vite. Hop.
De toute façon, on se retrouve demain soir hein, pour le live d'épée où on va continuer la toile du Bonhomme de Neige. La petite toile partielle. Donc, on va continuer ça demain soir en papotant en live. Et puis, voilà. Déjà, ça sera déjà pas mal. Il faut qu'aujourd'hui, je vous poste le planning des vidéos YouTube de la semaine. La vidéo de dimanche, je pense qu'elle peut... Elle peut vous intéresser aussi. C'est un petit unboxing de la boutique 3D Art RL. Vous savez, cette petite boutique où je vous avais déjà fait un unboxing pour vous présenter des barquettes, enfin la barquette clochette et des petits stylets en impression résine, 3D, etc. Et du coup, Alexis, qui est le gérant de cette boutique et celui qui fait les impressions en 3D, m'a renvoyé des petits objets, dont des trucs. Est-ce que je vous fais un petit teasing? Un mini teasing, attention. Voilà. Des trucs super mignons si vous adorez le DP et avoir des petits accessoires. Voilà. Ça sera la vidéo de dimanche. Bon courage, Lily. Bah oui, t'as loupé une heure, Calista, mais demain soir, si t'es là. Pas de soucis, Maïwen. Bisous. Bisous Tiff, merci d'être passé. Je finis juste les petits oranges, puis après je pense que je finirai le petit carré de mon côté parce que il reste encore pas mal de trucs, mine de rien. On papote, mais... Enfin bref, niveau vidéo, voilà, demain c'est un unboxing avec une nouvelle boutique qui m'a proposé de me faire des toiles personnalisées. Et donc une petite boutique comme je vous présente celle de d'habitude les mercredis, sauf que là... Voilà, elle m'a proposé deux toiles perso. J'ai choisi une image d'un film et une photo de famille pour qu'on ait vraiment deux trucs complètement différents. On peut choisir la taille et tout, mais moi, ils ne m'ont pas laissé le choix de la taille. Ils m'ont imposé une taille qui n'était pas très très grande. Donc je vous laisserai demain découvrir si la toile qu'ils ont choisie est suffisante pour une photo de famille et une image de film. Vous verrez ça demain. Vendredi, ça sera donc la vidéo où je vous présente le défi calendrier de l'Avent et les trois toiles du défi. Et dimanche, le petit unboxing des barquettes et des petits accessoires de DP en impression 3D. Voilà. Oups. Voilà, voilà. Encore une bien belle semaine. Je vais y arriver. Viens là, toi. Une bien belle semaine de vidéos sur YouTube. Et j'espère que ça vous plaira. Ah, mais au final, il reste plus grand-chose. Mais bon, je pense que ça va être juste niveau timing, quand même. J'avais dit jusqu'à midi. J'avais dit qu'on peut pousser jusqu'à midi, comme c'est les vacances. Je vais essayer de finir le carré. Allez, j'essaie de finir. les petits plus, là. Demain soir, je serai là sans souci. OK. Alors. Donc, les petits plus. Tac. On va essayer de mettre un petit peu le turbo histoire de finir. J'aime pas arrêter un live sans avoir fini un carré. Enfin, c'est jamais arrivé parce que justement, je fais en sorte de finir un carré. Tac. Ah ouais, mais si, il y a encore tout ça. Ah ouais, quand même. Mais pour finir à midi, c'est pas infaisable. On peut le faire. Tac. Comme il n'y a pas le son des notifs, j'ai peur de louper une notif. Bon, normalement, mon chéri aura réglé ça pour demain soir. Normalement. Tac. Plus. Plus. Non. Tac. Hop. J'ai laissé de côté le DP depuis que j'ai réinstallé les Sims. Je vais aller jeter un coup d'œil à ton planning et je me pose enfin un matin avec toi sur ma toile. Pas de souci, Margot. Tout nous plaît quand c'est toi. Dis donc, c'est très gentil ça. Coucou Pumpkin Spice. Oh, le petit chat. Il est trop mignon. Coucou, tu arrives sur la fin. Exceptionnellement, je reste jusqu'à midi aujourd'hui parce que c'est les vacances scolaires. Mais normalement, les matinales, je déco à 11h30. Parce qu'après, il y a l'école et tout. Là, je reste jusqu'à midi, pardon. J'allais dire minuit, mais non. Midi. Et j'essaie de finir ce petit carré.
Pour ceux qui arrivent, hein, les notifs sont pétés, il n'y a plus de notifs, il n'y a plus rien, parce qu'il y a eu une coupure de courant en plein live ce matin, et quand j'ai tout redémarré, ben, plus rien ne fonctionnait. Donc il n'y a plus les notifs, il n'y a plus la barre de sub, il n'y a plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça sera réglé pour demain soir, le live DP, normalement. Hein. Tout sera bon pour demain. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal qu'il n'y ait pas de son, qu'il n'y ait pas de, qu'il y ait rien du tout. Hop, ensuite, le 8, il y en a pas mal. 8. En un quart d'heure, ça va être chaud, non? Oh, j'aime bien la petite couverture, on commence à la découvrir, là, ça va être trop beau. Ça va être trop, trop beau. Alors, 8. Tac. En tout cas, je suis très, très, très heureuse de faire des lives. C'est vraiment l'échange qui me manquait dans le fait d'échanger avec vous sur les réseaux et tout. Là, pour moi, c'est vraiment un échange direct, entre guillemets. On peut se parler en direct, on peut, si j'ai envie de vous dire des trucs, je peux vous le dire. Si j'ai envie de vous montrer un truc, je peux vous le montrer en direct. Enfin, j'adore cet échange, en fait, avec vous. Pas tous les jours, mais presque. En live, j'adore. Je suis très contente d'avoir pris la décision que j'ai prise, même si ça va pas être simple, mais je suis très contente et voilà. Bref, je suis très contente. Hop. À chaque fois, je suis surexcitée les soirs quand je sais que le lendemain il y a live ou des trucs comme ça. Je suis très contente. Donc voilà. Alors. Ok, c'est bon, je crois. Coucou, on te regarde avec ma maman, on fait du DP. Coucou Virginie, et coucou maman Virginie. Bon DP les filles. Vous me regardez en famille. Nous aussi on aime les jours où il y a live. C'est très gentil Calista. Alors, la petite triade... J'ai mes petits mémotechniques au niveau des noms. La petite triade. Hop. Il n'y en avait pas tant que ça. Ah, là, non, là, je suis déjà plus... Ah oui, si, c'est faisable. En un quart d'heure. C'est largement faisable. N'est-ce pas? J. On est entre copines comme ça. Mais c'est ça, ça fait vraiment cette impression-là. C'est vrai, hein. J'ai vraiment l'impression qu'on fait du DP tous ensemble. Ah, mais faudrait qu'on se fasse ça en vrai de vrai. Faudrait qu'on se retrouve dans un endroit, mais je sais pas où. Il faudrait un endroit où il y a de la place et qu'on se fasse genre une après-midi blabla DP. Ça serait pas trop bien en vrai, comme rencontre. Après, si on va dans un café, ils vont péter un plomb parce qu'on va prendre de la place, à moins qu'on emmène vraiment des petites toiles, des toutes petites, des 30-40 ou un petit accessoire. Et qu'on fasse... Genre, on peut, je sais, on peut emmener un petit accessoire qu'on fera pendant notre rencontre, et puis on se les offre entre nous. Ça peut être pas mal, ça, à la fin, que le petit accessoire qu'on a fait, on se les offre. Ça serait trop bien. Bon, après, du coup, ça veut dire que les personnes qui font pas de DP vont être exclues. Ou alors, je pourrais faire deux rencontres. Une rencontre, genre, juste, voilà, classique. Et une rencontre DP. Pichounette! Ma pauvre Pichounette, tu prends un sub pendant que les notifs sont cassés. Donc il n'y a pas le son, il n'y a rien du tout. Mais je t'ai vu. Je te vois, Pichounette. Tu fais partie de la team des petits lutins. Merci pour ton sub prime. Mais je suis désolée, là, il y a eu une coupure de courant ce matin et les notifs sont cassés depuis. Voilà, mais ça sera normalement remis demain soir. Mais merci beaucoup. Merci, merci. T'as des cafés à Paris où tu peux faire ça? Ah ouais? Ça serait bien. Ça serait bien. Ouais, je suis désolée, c'est pas ma faute, mais ça sera réglé, normalement. Mais merci quand même, c'est très gentil. Qu'est-ce que tu fous avec tes doigts? Pourquoi il dit ça? Pourquoi tu dis ça, Arnaud Pierwell? Qu'est-ce qu'il raconte avec mes doigts? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes doigts? J'ai fait un truc chelou avec mes doigts, non? Il est bizarre ce mec, non? Écoutez pas ce qu'il dit dans le chat, il est bizarre.
J'ai fini mes deux cartes postales, c'est mieux posé, mais c'est de l'inscription, c'est plus facile. Ah oui, ok. J'habite trop loin, mais bonne idée, je te suis depuis le Skyblog. Aïe, 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 ça date. Content de pouvoir continuer à te suivre dans cette aventure Twitch. Merci, Mélanie. Non, mais oui, c'est le courant qui a fait tout bugger, c'est pas moi. Il faut inventer le concept café d'épée. Oh, mais en vrai, rien que le nom, déjà, ça me donne envie. Café d'épée, ça va trop bien. Qui a de la thune pour lancer un projet comme ça, sérieux? Café d'épée. Je veux bien être la marraine du projet. Café d'épée. Ouais, mais si, en vrai, ça serait bien. En vrai, non, mais imaginez le truc. Imaginez un truc qui existe, le café d'épée. Oh, le beauf, le beauf. Ne lisez pas ce qu'il est en train de dire. En vrai, ça serait pas trop bien. Genre, tu sais que tu vas dans un café où qu'il y a des petites pâtisseries et tout, et que tu peux venir, les tables, genre les tables seraient faites exprès très grandes, machin et tout. Tu peux venir avec ta toile et tout, et tu peux te poser, faire du DP dans un petit café. Tout comme certains viennent avec leur PC pour bosser et tout. Sauf que là, tu pourrais le faire. Enfin, tu pourrais faire ton DP au calme avec d'autres personnes, et genre ça pourrait amener à la rencontre. Bon, je parle pas de. Je parle rencontre amicale. On n'est pas sur Mythique non plus, mais ça pourrait amener à. Parce que forcément, tu vois une personne qui s'installe à la table d'à côté en train de faire un DP. Bah, t'as envie de zioter, et puis du coup, ah bah, tu fais quoi? Ah, c'est joli et tout, machin. Oh, mais ça serait tellement bien! Et puis, t'as quelqu'un qui vient, du coup. Enfin, tu peux commander un café, tu peux commander une petite pâtisserie et tout. Oh! Pour ceux en fait qui sont un peu seuls et tout et qui ont envie de faire du DP sans être regardé comme un extraterrestre en public. Oh non, mais ça, non, mais en vrai, on tient un truc, on tient un truc. Attention, il est 11h49 le 26 octobre 2021. Si quelqu'un sort le truc avant, je porte plainte. L'idée vient d'ici. Qui l'a dit? C'est qui l'a dit? L'idée vient d'ici. Virginie l'a dit, c'est trop tard. Tu as les anti-cafés où tu peux réserver et venir. J'ai déjà fait un cours de lettering dans un anti-café. Ah, je connais pas du tout. Je dois te laisser, ma collègue vient me chercher pour aller manger au resto chinois demain. Bon resto, Céline, à demain. Non, mais Arnaud faire des live Twitch alors qu'il est mille fois plus timide que moi, je crois que vous rêvez là. Non, mais vous m'avez perdu, mais en vrai, est-ce qu'il n'y a que moi qui hallucine ou est-ce que c'est pas. Ou est-ce que c'est pas une putain de bonne idée? Ça serait, mais trop bien! Moi, je suis désolée, ça serait trop bien. On l'a dit ici en premier sur mon live. Ça serait trop bien. En vrai, ça serait un. Enfin, je veux dire, tu sais que tu peux aller dans un lieu où c'est calme et où tu peux boire ton petit café en faisant du DP et puis potentiellement rencontrer d'autres personnes qui ont la même passion que toi. Et du coup, si t'es quelqu'un qui a du mal à te faire des amis ou qui est un peu sauvage ou voilà. Ce qui est la même chose. Tu sais que tu peux rencontrer potentiellement des gens qui ont la même passion que toi et du coup papoter et tout, ça peut être trop bien. Rien ne t'oblige à faire pote, mais je veux dire, si à côté de toi il y a quelqu'un qui fait la même chose, bah ça peut plus facilement amener à des discussions. Ça serait trop cool, arrêtez, ça serait trop cool. La team YouTube, là, ceux qui regardent en YouTube, sur YouTube, on vous voit là, les fonds de la classe. Vous pouvez participer. Est-ce que, dites dans les commentaires, est-ce que ça serait bien un DP café? Bien sûr que ça serait bien. On est tous d'accord. Super idée, ça serait trop bien. Mais oui. Tu vas dans un espace coworking et tu fais ça à l'anti-café, tu peux commander à manger et boire aussi. Ouais, mais il faudrait un truc exprès. Le DP café. Le DP café, quoi. Oui. Bah après, on pourrait pas refuser à des gens d'emmener des grosses toiles. Mais bon, je pense que de eux-mêmes, les gens n'emmèneraient pas des 150 fois 300. Enfin, mais ça serait vraiment trop bien. Coucou Paula, tu arrives sur la fin du live, Paula. En vrai, le DP Café, je suis désolée, je valide l'idée à 100%. Voilà, ça serait trop bien. C'est comme les mangas café, mais avec des DP, quoi. Ça serait trop bien. Alors, le P. Tac. On va le finir ce petit carré avant la fin du live.
Bon, clairement, si j'avais dû couper à 11h30 comme d'habitude, c'était mort. Mais là, c'est faisable. Tac. J'essaierai de vous remettre le replay hein, de la matinale de ce matin, demain, comme je fais d'habitude. Hein. Souvent, les lendemains. Alors, c'est pas toujours très tôt le matin, mais. Attendez, Y. Le Y, je sais pas ce que j'ai. Mon œil ne veut pas me rappeler où il est dans la boîte. Oui, du coup, je vous le. La vache. Je vous mettrai ça en ligne demain sur YouTube, même si c'est pas à 8h pétantes, hein, mais dans la journée. Dans la matinée slash journée, je vous mettrai ça sur YouTube. Ah, j'avais oublié une étoile tout à l'heure. Je la vois là. Là. Tac, Y. Tac, je vais vous montrer avant de vous laisser de loin où j'en suis. Bon, même si j'ai pas hyper avancé ce week-end parce que pas dispo, mais. Zut, mais je vais vous montrer. Ouais, ah, bah j'avais oublié des 1 là aussi. Super. Genre, tu ouvres un café pour les personnes qui font du DP. Ah non, j'ouvre pas de café. C'est l'idée qu'on vient de se dire. Une association DP, ouais. Un bar à DP. Non, le bar à DP, quoi. Ça serait trop bien. J'étais en train de cuisiner, je pouvais pas répondre, mais trop bonne idée. J'irais tout le temps si ça existait, mais ça serait trop bien. Ça marcherait dans une grande ville. En vrai, ça pourrait marcher. Et il faudrait aussi, le truc qui est bien, il faudrait que le café fasse revendeur. Parce qu'il n'y a pas d'usine française, donc on pourrait pas faire du DP Made in France, mais il faudrait qu'à petit prix, on fasse revendeur. C'est-à-dire que tu peux, pour ceux qui ne connaissent pas, qui débarquent et qui rentrent dans le café, ils peuvent acheter sur place une toile avec des petits accessoires. Tu peux vendre des stylets jolis, tu peux vendre des petites barquettes, et tu peux vendre quelques toiles comme ça, ceux qui débarquent, qui arrivent, qui rentrent par curiosité. La personne est en train de voir tout le monde en train de faire du DP et puis elle vient te voir en disant mais ils font quoi les gens, c'est quoi le concept du bar? Tu dis bah voilà, là vous pouvez si vous voulez acheter une petite toile, vous installer et tu sais genre tu peux venir les mains vides et acheter une toile sur place. Ça serait pas trop bien ça? Putain, on tient un truc, je suis désolée, on tient un truc. On tient un truc. Mais je vais pas un peu loin, en vrai. En vrai, ça c'est comme les mangas café. Je crois que tu peux pas acheter des mangas sur place. Et ben là, ça serait pareil. Là, tu peux avoir toujours une petite étagère avec quelques DP qui changent régulièrement en vente. Et du coup, ceux qui viennent, qui connaissent pas ou qui viennent les mains vides, ils savent qu'ils peuvent acheter un petit DP sur place et se poser. Ça serait trop bien. Oui, Lily, c'est un peu ça. Le café des petits lutins. Oh, putain, ça serait trop bien. Arrêtez. Hein. Sinon, ouvrir une boutique où tu peux te procurer une toile et prendre un café. Oui, non, mais c'est ça, Blisney. C'est exactement ça. C'est le café d'épée, mais tu peux, du coup, si tu veux, acheter une petite toile sur place et te poser. Oh, punaise, on tient un truc, je suis désolée. Vous allez voir que dans quelques mois, on va voir un café d'épée ouvrir dans Paris ou une connerie comme ça. Et il faudra pas venir pleurer parce que la personne aura pris l'idée chez nous. Hein. Je vous le dis. Je vous le dis, on sera tous comme des cons en train de se dire, mais attends. Si nous on avait eu l'idée là. Angélique va lancer un commerce à Auxerre. Attendez, j'aimerais trop. C'est comme les Color Me Mine aux États-Unis, les endroits pour faire de la peinture sur céramique. Ah ouais, je connais pas du tout. En vrai, c'est trop bien. Est-ce qu'on n'aurait pas fini ce petit carré? Bien sûr que oui. Là, par contre, il y a un écart. Voilà, regardez. Oh, non, en vrai, ça serait trop bien. En vrai, ça serait trop bien. S'il y avait un truc comme ça, pas loin de chez moi, j'irais. Franchement, j'irais tout le temps. Ça serait trop trop bien. Un lieu où tu peux boire ton petit café, manger une pâtisserie, faire du DP, rencontrer d'autres personnes qui font du DP. Et si tu veux sur place acheter des petits stylets, une petite toile et tout, ça serait trop bien. Ah l'étoile! L'étoile! Merci! Merci! Je l'ai dit en plus tout à l'heure. L'étoile, l'étoile! Oh là là, merci, heureusement que vous êtes là. Ça y est! Le carré est officiellement terminé. Bon, on va repasser en vue blabla. Je vais vous montrer ça. Merci, merci, merci. Alors, êtes-vous prêt? Bon, en sachant que j'ai pas des masses avancées depuis la dernière fois. Ah oui, j'avais mis un bout de scotch. Je me suis dit pourquoi.
Hop. Donc, ce que je fais maintenant, c'est comme elle est trop longue pour être en longueur sur le bureau, vous voyez, avec deux petites pinces, je roule ce qui est déjà fait, et comme ça, j'ai ce qui n'est pas fait devant moi. Ça m'évite d'avoir tout ce qui est fait de dérouler sur mon bureau. Donc, j'enlève les pinces pour vous montrer. Hop, are you ready? Je recule. Tintin. Voilà. Ah, attendez, je vais me lever parce que vous allez rien voir sinon. Voilà, donc j'ai pas des masses avancées. J'ai fini le bord de la fenêtre là. Non, c'est de l'autre côté. J'ai fini le bas de la fenêtre. J'ai fait la tête du chat, le pied et tout. Attendez. Voilà. Et du coup, vous voyez ce qu'on vient de faire. Ah si, en vrai, ça rend trop bien son... Ah, c'est de l'autre côté, j'ai du mal vu que c'est inversé. Ça rend trop bien son espèce de petite couverture là. Ça va être trop trop beau. J'aurais trop peur que les diamants sautent en roulant. Non, non. Après, Emix, avec des autres toiles que Diamantar Club, je le conseille pas. Mais Diamantar Club, vous pouvez le faire sans souci. C'est eux-mêmes qui le disent. Vous pouvez enrouler les toiles. Toujours diamant à l'extérieur par contre. Hein, pour être sûr que les diamants s'entrechoquent pas entre eux et qu'ils justement ne sautent pas. Voilà. Et elle est lourde, elle commence à peser mine de rien. Vous voyez, c'est grand hein, par rapport à ma main. On a fait plusieurs mains. Hein. Voilà. Mais vous pouvez enrouler l'étoile Diamantar Club diamant à l'extérieur. Il y en a plein qui se les envoient par la poste une fois terminé. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et vous voyez la brillance des diamants DAC. Regardez. Je sais pas si on se rend bien compte, hein, mais... Il brille de ouf. Ouais, si, je pense qu'on voit bien. Voilà. Et du coup, il reste tout ça, quand même. On n'a pas fini, hein. Voilà. Donc il y en a encore un bon bout. C'est pour ça que là, pour la finir, la première semaine de novembre, ça va être chaud patate. Oh, j'ai fait tomber Bao. Attendez. Ah, j'ai fait tomber mon petit Bao. Hop. Voilà, voilà. Mais elle est trop belle. Elle est vraiment... Regardez la brillance. Et les toiles d'ac, vous pouvez, hein, c'est tellement souple et tout qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez les enrouler, mais toujours diamant à l'extérieur. Comme c'est du tissu, en fait, c'est vraiment du tissu tout doux et tout. Elle est très, très souple, donc il n'y a aucun souci. Voilà. On dirait même pas que c'est des ronds de loin. Non, mais ouais, ouais, c'est avec... avec Diamantar Club, t'as la qualité qui est là. Et du coup, c'est vrai que de loin, on dirait pas du tout des diamants ronds. Comme ils font le fond imprimé de la même couleur que les diamants... Je sais pas combien il me reste de carrés, Blisney, parce que je découpe les carrés au pifomètre, donc je sais pas. Je sais pas du tout. Il me reste à peu près la moitié de la toile. Voilà. Donc à mon avis, en sachant que jeudi, ça fera un mois pile que je l'ai commandé. Pas commandé, commencé. Ah, deux lignes, ça va, t'as bientôt fini du coup. Mais ouais, là, je vais essayer de mettre un petit coup de boost, enfin, malgré que j'en fais déjà pas mal, hein. Mais je vais essayer de mettre un petit coup de boost... pour, si possible, avoir terminé à la fin de la première semaine de novembre, pour ensuite passer à une toile de Noël, mais ça va être chaud patate. Hein. Je vous le dis, ça va être chaud patate. Mais on va essayer, on va essayer. De toute façon, nous, on continuera, alors, pas jeudi matin, parce que c'est décalé cette semaine, n'oubliez pas, hein, pas jeudi matin, mais vendredi matin. Donc ça se trouve, j'aurai un peu avancé. J'aurai au moins fini la ligne qu'on a commencé en petit carré, j'aurai au moins terminé ça, j'espère. Voilà. Mais sinon, demain soir, on se retrouve sur la toile. Elle est là. Je vais vous la remontrer. Attendez. On se retrouve sur la toile du bonhomme de neige qu'on a commencé en live la semaine dernière. Voilà. Regardez cette petite toile partielle très très belle. On a fait du coup tout le haut avec des petits diamants spéciaux comme ça, très jolis. Et la tête entière du bonhomme de neige, un petit l'oiseau et la boîte aux lettres. Voilà, et on continue cette toile-là demain soir en live. Alors, je pense pas qu'on l'aura... À mon avis, il va falloir trois lives, trois mercredis pour la finir. Mais si on pouvait arriver à la deuxième boule du Père Noël... Enfin, la boule du corps du Père Noël, d'accord? On s'est tous compris, n'est-ce pas? Bref, si on pouvait arriver à la deuxième boule du Père Noël, ça serait bien. Voilà. Et on va faire ça demain. Enfin, on va continuer ça demain. Oh, Fanny, tu ne seras pas là.
Cette semaine, je suis pas là, je pars 2-3 jours pour visiter un zoo. Et ben, bonne balade, Menu. Du Père Noël. J'ai dit du Père Noël? Merde. J'ai dit du Père Noël? Puis moi, je rigole, Gomard, en regardant ton commentaire, genre, du Père Noël. C'est vrai? Non, j'ai pas dit Père Noël. Oh merde! Je voulais dire bonhomme de neige, bien évidemment. Je suis fatiguée, d'accord? Je suis fatiguée. Ne, arrêtez un petit peu de me critiquer comme ça. Oh mince! Non mais je voulais dire bonhomme de neige. Ça va de soi. Tout le monde a compris, n'est-ce pas? On voit bien que ce n'est pas un Père Noël. Oh, je suis désolée, je suis... Non mais... Voilà. Après tout, je veux dire, ça se ressemble. Père Noël, bonhomme de neige. Voilà. Deux fois! Ah bah alors, du coup, j'ai vraiment un souci, quoi. Oh là 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 là. Ah, je me fatigue, je me fatigue. Bref, je vous remercie en tout cas pour cette matinale. Les petites notifs et tout, normalement, tout sera corrigé pour demain soir. Arnaud va s'y pencher avec gentillesse dessus, bien évidemment. Oui, vous me connaissez, vous savez que c'est normal, voilà. On pensait au Père Noël en slip bleu. Elle pensait au Père Noël en slip bleu. Ça se trouve, hein. J'ai même pas capté quand tu l'as dit. Ah bah voilà, c'est-à-dire que ça n'a pas choqué tout le monde. J'ai été troublée par les boules. C'est ça en fait, hein. C'est les boules du bonhomme de neige, pas du Père Noël, qui m'ont troublée. C'est comme ça, hein. Je suis désolée, mais les boules, ça trouble. Voilà. Sur cette phrase, voilà, les boules, ça trouble, Angélique 2021, cette nouvelle citation, je vous laisse. Je vous remercie en tout cas pour cette matinée, même s'il y a eu la coupure de courant, même si voilà, il y a eu des petits soucis. Je vous remercie d'avoir été là ce matin. Et je vous dis donc à demain soir, 21h minuit, pour la suite du bonhomme de neige. Je vais pas y arriver. Pour la suite du bonhomme de neige. Donc belle journée à vous, je vous fais plein de bisous, plein plein de bisous, je vous aime fort et à demain soir. Oui, il y a toujours des petits trucs le matin. À demain pour ceux qui seront là, je vous fais plein de bisous. Merci et passez une très belle journée. Plein de bisous.